be okay, 'cause I found my way. When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head, and you will be sorted into your houses. You're going to take someone's eye out. It's Leviosa. Totem Locomota! Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ce début de stream où j'ai oublié de me démute, mais bon, que voulez-vous, ce sont les aléas du direct. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, tout simplement, bah, écoutez, ma journée s'est relativement bien passée puisque j'ai pas fait grand-chose, littéralement. De ma journée, genre littéralement ma journée, j'ai eu deux, enfin une ou ouais, une commande et demie à faire. Autant vous dire que c'était très long. Je vais déjà commencer par vous dire bonjour, coucou Chiyoko, coucou Héloïse, coucou Darkness, coucou Atini également. J'espère que vous allez tous bien, comme je vous disais, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine pour ceux que je n'ai pas vu de la semaine. J'espère que voilà, vous êtes bien reposé, que vous avez pas trop, vous n'êtes pas couché trop tard à cause du nouveau pack d'extension Vie Orange qu'on a testé hier soir. D'ailleurs, hier soir, je suis parti un petit peu en trombe, mais j'ai oublié de vous remercier encore une fois par rapport à ça, mais je voulais vous remercier pour l'incroyable soutien que vous avez fait hier avec avec le train de la hype. Ça m'a fait super plaisir, donc je voulais juste vous remercier par rapport à ça. Et coucou Mawam, comment tu vas? Enfin, ton pseudo, je pense que c'est grâce à ça, mais c'est à chaque fois quand je vois ton pseudo, j'ai envie de manger les petits
petits bonbons de la marque Maoam, genre les petits carrés là au coca. Ils sont tellement bons. Mais voilà. Du coup, on va se retrouver sur du Zelda Tears of the Kingdom aujourd'hui. On va streamer, je pense, jusqu'à 20h30, 21h, comme j'ai rien de prévu ce soir. Donc voilà, du petit Zelda, ça va être sympa, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas streamé dessus. Ça fait vraiment longtemps. La dernière fois, on s'était arrêté, on avait terminé le quatrième temple, et on devait aller genre dans le château d'Hyrule. On y a été, et on s'est fait défoncer la gueule par plein de choses pas très gentilles. Donc du coup, on est redescendu sur la terre ferme, et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu farmé de mon côté, sachez-le. Et en farmant, j'ai découvert énormément de choses. Donc je vais vous montrer tout ça, et puis on va continuer de jouer, tout simplement. On a pensé pareil, j'étais en train de penser à eux. Bah voilà. Voilà, voilà. Alors, attendez, hop, on va s'asseoir. Et coucou Sayaki, comment tu vas? Mon professeur de chimie m'appelait comme ça pour... Ah, ok, d'accord, trop bien. Coucou MB, comment tu vas? Hop, attendez, la vieillesse, juste peur. J'avais hâte de reprendre un peu le Zelda, parce que je vais pas vous mentir, ça fait quoi? Ça fait bien une semaine et demie, deux semaines que je n'ai pas du tout touché au jeu. En fait, j'y ai touché genre juste après le dernier stream, mais depuis, j'y ai vraiment pas touché, donc je suis un peu à la ramasse, du coup, je sais plus trop ce que j'ai fait. Et attendez, je constate que... J'ai presque plus de batterie sur ma tablette. Attendez, je reviens dans 30 secondes, je vais juste charger ma tablette, je reviens. Et me revoilà. Et on branche ça là. Voilà. Tu as passé une bonne journée? Bah écoute, la journée était relativement longue parce que j'avais pas beaucoup de boulot, voire même quasiment pas. Oui, mais ça va. Ça va. Si, je voulais vous dire que à partir du 31 juillet jusqu'au 20 août, je suis en vacances. Voilà, donc il y aura sûrement des... Alors, le stream de soir seront toujours comme d'habitude, mais il y aura possiblement des petits streams en journée qui vont se glisser par-ci, par-là pendant les vacances. Voilà, je pense que pour ceux qui sont en vacances pendant le mois d'août, je pense que ça pourrait vous faire plaisir. Hop. Attendez, je bois un peu d'eau, c'est fait. Je sais pas si certains seront disponibles pendant le mois d'août, enfin début août, en journée. En tout cas, sachez que bah, moi, je le serai, donc je ferai... quelques petits streams sur d'autres jeux. Voilà, sur d'autres jeux. Hop, je pourrais pas être là, Sniff, t'inquiète, y a pas de soucis. Hop là. Du coup, on va passer directement sur le jeu. Hop là, tout, switch, là. Ok, est-ce que vous entendez bien le jeu? Je pense que vous entendez le jeu, ouais. Ah! Attendez, on va démarrer le jeu en état, je sais plus où j'en étais, attendez. Oh la vache. Alors, pour vous, ça va, mais moi, c'est ultra fort dans mes oreilles. Attendez, je vais baisser ça tout de suite. Sinon, je vais finir sourd. Hop là. Comment c'est possible que je l'entende aussi fort? Attendez, il y a d'avoir un petit problème. Pourquoi quand on... Mais attends. Pourquoi pour moi, c'est un souci. J'ai pas tout compris. pour les streams en journée, j'y serai. Si je fais des insomnies durant les vacances, je fais rien de mes journées. Donc, je serai là. Ok, bon, bah, trop bien. Alors, pas que tu ne fasses rien de tes journées, mais trop bien que tu sois là. Alors, attendez, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit... bug et je sais pas d'où ça vient. J'entends... Ah. C'est bon. J'ai trouvé d'où ça venait. J'ai vu d'où ça venait. Là, normalement. Bingo. Attendez. Excusez-moi. Ok, on est bon. Moi, je l'entendais très très fort. Excusez-moi, c'est juste qu'il fallait que je corrige mes paramètres son. Ok, alors, je vais juste sauvegarder. Yes, et on va relancer le jeu, puisqu'il y a vraiment une mise à jour. Voilà. Hop là. Mais sinon, vous en êtes tous les gens dans le jeu Zelda. Je pense que depuis, vous l'avez fini, vous, de votre côté. Parce que moi, ça fait un bout de temps là que j'y ai pas touché. Je sais que j'ai des amis qui jouent, qui, eux, l'ont déjà terminé. Hop là. C'est bon, on va pouvoir venir dessus. Parfait.
Du coup, aussi pareil, du coup, dimanche soir à 19h30, on ne sera pas sur du la construction célèbre de la maison de Grace, comment s'appelle, de Ginny et Georgia, pardon. On sera du coup sur du gameplay. Oui, vous avez bien entendu, on sera sur du gameplay avec les chevaux, puisqu'on va tester un peu le gameplay de Vio Ranch. Donc, vous allez voir un Mr. C salé qui va s'énerver parce qu'il n'aime pas le gameplay. Voilà. Je sens que ça va être rigolo. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au niveau du farming pendant les pendant ces différents jours où je n'ai pas streamé sur le Zelda. Regardez tout ce que j'ai fait. Et j'ai exploré quasiment l'intégralité des souterrains. Ça a été long. Ça a été très long. Mais sachez que j'ai quasiment tout exploré. Et regardez ce que j'ai trouvé. Ici, j'ai trouvé le temple de l'esprit. Je ne savais pas qu'il y avait un autre temple. Et également, quand je me suis baladé, vous savez qu'il y a le temple du temps ici. Et bien, sachez que dans le temple du temps, il y a eu un petit truc qui s'est fait. Donc, on va également aller voir le temple du temps après. Alors, je crois que je n'ai plus aucune arme. Voilà. On sent le streamer qui a préparé ce stream. Attendez, je ne sais même plus comment on change les... Oui, non, je n'ai plus d'armes, on est bien d'accord. Attendez. Voilà. J'ai encore quelques armes ici, mais j'ai plus d'arc. Ouais. Ouais, ouais, j'ai bien farmé, hein. J'ai bien exploré la map. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter qui sert à rien? Genre ça va sortir de la sacoche. Voilà. Autant prendre celle-ci, parce qu'au moins, elle n'est pas cassée. Alors, on va aller au niveau du temple, comme je disais. Bon, on est à côté. Parfait. Bah, tu veux du challenge? Ah bah oui, bah là, on est sur du challenge, là. Hein. Ah là, clairement, on est sur du challenge plus. Alors, je crois qu'il faut que je remonte. Je crois qu'il est là-haut. Oh, merci Saki pour le avoir. Merci beaucoup. Et oh, et pareil, pour ceux qui... alors aujourd'hui, on va beaucoup discuter. Pour ceux qui regardent Demon Slayer, bah, sachez que j'ai bientôt terminé la saison 1. Je crois que je suis à l'épisode 20... je crois 23 ou 24. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Attendez. Je pense que là, je peux... Voilà. Non. Voilà, je voulais récupérer de la mana. Et en vrai, bah, j'aime bien l'animé Demon Slayer, pour le coup. Et pourtant, de base, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas du tout animé, moi. Mais là, je sais pas, celui-là, j'aime bien. J'ai pas vu la 3 qui, je crois, est sortie. C'est l'un de mes meilleurs, selon moi, pour l'instant. Ouais, il y a une saison qui est sortie là récemment, je crois. Je sais pas où je monte, hein, mais j'y vais. Je pense que je vais tomber bêtement parce que je vais pas avoir assez de mana. J'ai de la bouffe ou pas? Bah non, je n'ai plus de bouffe. Mais moi. Oh, voilà. Bah, je suis mort. Ouf. Et bah, il était moins une. Par contre, il y a des monstres quelque part. Ah oui, bon bah... Attendez, on va se téléporter. On va se téléporter par là. On va se téléporter par là avant que l'on meure. Plus que bêtement. Et on va aller vers le temple de l'esprit. Alors, pour le coup, je savais même pas qu'il y avait un... En fait, je savais qu'il y avait le temple du temps qu'on allait devoir faire. Parce que c'était logique qu'on doive le faire. Est-ce qu'il me reste de la boue? Mon pauvre personnage, il est au bout de sa vie. On va sûrement farmer les cartes amiibo, encore une fois, comme d'hab, pour lui donner un peu à manger à celui-là. Mmh.
Ok, ok, ok. Donc, il faut qu'on aille ici. On aille par là-bas. On va, je pense, crafter notre petite moto d'amour. On en a plus ici. Hop. J'ai assez. Oui, j'ai assez. Hop là. Ah, et je crois que ça, je ne vous l'avais pas montré, mais j'ai également farmé les batteries. Ah. Ouh, le gros vilain pas beau. Bah, le gros vilain pas beau, moi, je vous veux pas de mal. Hein. Moi, je m'en vais. Ah bah, les cartes animaux sont 15 000 fois plus rentables que sur Animal Crossing. Ça, je ne te le fais pas dire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Que je veux dire, là, en fait, moi, c'était quand, bah, quand j'explorais la map, et puis d'un coup, j'ai eu une cinématique. Une cinématique, juste la cinématique de découverte du lieu. Et j'ai fait, what the fuck, il y a un temple ici. Donc, pour moi, c'était logique. Link a 5 doigts, on a fait 4 temples, et que là, à chaque fois, on chope une bague. Pour moi, la cinquième bague, c'était le temple du temps. Bah, là, visiblement pas. Donc, on va un peu éclairer cet endroit, là. Les factures d'électricité ont... Ah. Ah bah attendez. Attendez, on récupère la moto. On récupère la petite moto. Yes. Il faudrait que je vois aussi pour me faire un autre véhicule parce que celui-ci, il est quand même pas très très rentable, je trouve. J'ai du mal à tourner avec cette moto. Je pense que je l'ai mal faite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux rien faire? Ah. Ah bah écoutez, je peux. C'est peut-être à faire après à la fin du jeu, alors. Il y a déjà des gens qui ont fait ce temple là ou pas? Ah, peut-être que j'aille au-dessus. Oula! Merci beaucoup Alice pour ton resub! Alors attends, parce que il y a eu... Merci Merci beaucoup pour le follow. Merci à Tanandris. Par contre, c'est moi, on a le son en double. Moi, en tout cas, je l'ai eu en double. Je sais pas pourquoi il y a eu le son en double. Mais voilà. Non, ok, d'accord. Moi, j'ai eu aucun son. Vous avez pas eu de son des alertes? Aucun son. Aucun son, carrément? Mais vous entendez le son du jeu, quand même. Non, pas de son. Ah, attendez. Je constate que vous n'avez pas entendu, ouais. Attendez. On corrige ça, on corrige ça, on corrige ça. Et voilà. Voilà, là, normalement... Là, vous l'avez entendu. Voilà. Et normalement, il y a le resub d'Alice. Mais merci à toi, Alice. Comment tu vas? Je possède des... Voilà. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Problème. Oui. Ok, donc là, on n'est pas trop trop mal. Bon, bah écoutez, je sais pas trop ce qu'il faut faire ici. Peut-être qu'il faut... Peut-être y aller avec une tenue spéciale, je sais pas. C'est le ouais, j'avais tellement hâte d'être en week-end. En plus, bah, fin de semaine prochaine, je suis en vacances. Enfin, techniquement, la semaine prochaine est ma dernière semaine de travail dans la boîte où je suis actuellement. Voilà.
Donc lundi sera mon dernier lundi, ça va me faire bizarre. Vous savez, c'est la période où à chaque fois je vais me dire ça c'est le dernier lundi, ça c'est le dernier mardi, etc. etc. Ça va me faire bizarre. Je pense qu'on va peut-être aller au temple du temps. Parce que je change de travail, simplement. Attendez. Ah, mais il y a un truc ici, là. Il y a un truc en dessous. Ici, il faudrait peut-être que j'aille par en bas. Bientôt le nouveau job, ouais. Du coup, je vais être en vacances pendant 3 semaines. Libération pour une nouvelle vie, exactement. Tu vas avoir des vacances entre deux jobs. Bah oui, bah en fait, c'est parce que bon, j'ai pas trop le choix de prendre mes vacances. Hein. J'aurais préféré qu'on me les paye, mais... Pas grave. Ok, alors, je sais. Il y a une colonie de vacances, là. Je sais pas ce qui se passe, là-haut. On va pas trop s'approcher de là-bas. Attendez. Y a pas une entrée de grotte, là? Non, y a pas. Bah, ce n'est pas grave. Tant pis. On va peut-être faire le temple du temps. Ou alors... À la limite, vous pouvez me... Enfin, ça me dérange pas si on me spoil comment est-ce qu'on active ce temple. Alors, en fait, là, je peux pas vous dire exactement le pourquoi du comment pour l'instant. Mais j'ai même pas eu besoin de démissionner. Voilà. Je vous dirai le pourquoi du comment la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi ça, c'est étrange, ce truc-là. Ah non, même pas. Si, si, il y a bien y a un ennemi, je me disais aussi. Un aussi gros truc qui soit pas protégé. Ah, ça va, si c'est juste ça. Ouais, non, pas de démission. Mais je vous expliquerai le pourquoi du comment la semaine prochaine. Ah, j'ai plus de place. C'est pas grave. Bientôt, les derniers bouchons. Mais ouais, parce qu'après, moi, le travail, il sera juste à côté de chez moi, donc... Ça va être bien plus agréable. Je vais pas avoir assez de bombes pour tout casser, là. Me dites pas que bêtement, quand je faisais ça... Oh là là. Ça a détruit les fragments. Si c'est ça, je vais m'énerver. Voilà. On pourra... oui, bah c'est vrai, en plus, on sera plus très très loin. En vrai, c'est faisable, hein. On dirait moi, madame Job, quand j'annonçais que je prenais 3 mois pour partir en France. Non mais je vous expliquerai, du coup, je vous expliquerai vendredi prochain le pourquoi du comment. Franchement, ce qui se passe, c'est assez drôle. Hop, voilà, lui il est mort. Tu restes dans le domaine du graphisme? En réalité, non. Je reste dans le milieu de l'imprimerie, mais je ne serai plus graphiste, parce que le milieu du graphisme ne me plaît plus. Je serai, par contre, dans la partie qu'on appelle production. Et en gros, je serai juste sur un traceur numérique et je serai contrôleur qualité, pour faire simple. C'est à côté de chez moi, c'est mieux payé. Donc je pense que... voilà. Il n'y a pas photo, quoi. Et surtout, je fais des économies d'essence. En fait, là, durant ton stream, trop bien. Bah, c'est ça, en fait. Du coup, ça sera à côté de chez moi. Ce sera un métier où j'aurai... Alors, ce sera un peu plus physique, entre guillemets, parce que je serai tout le temps debout. Mais j'aurai moins besoin de... Comment dire?
de faire appel à ma créativité, clairement. Et ma créativité, je pourrais vraiment la lancer à 100% sur mes streams. Et je pense que ça va me faire du bien. Je pense que ça va vraiment me faire du bien. Bon, je sais pas trop comment on va là-haut. Vous savez quoi? On va remonter à la surface. Et on va surtout aller... de l'éveil. On va aller là. On va aller au temple du temps. Normalement, c'est pour lui. Mais exactement. Exactement, exactement. Oh, en vrai, vous savez quoi? On n'est pas beaucoup, parce que je sais qu'on est sur du Zelda. En vrai, je vais vous dire. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'en réalité, je n'ai pas besoin de démissionner. Parce que mon patron... Bah là, il s'est passé quoi, là? Un gros bruit, excusez-moi. Mon patron m'a convoqué la semaine dernière pour me proposer une rupture conventionnelle. Il m'a damé le pion, en fait. En fait, il me convoque dans son bureau. J'étais persuadé que j'allais me faire engueuler pour X ou Y raison. Et en fait, il me dit, puis la boîte a des difficultés, etc. Je vous propose une rupture conventionnelle. Et la boîte, j'étais en mode... Oui, coucou Dave, comment tu vas? Et du coup, j'étais en mode... ah oui, bon bah d'accord. Et puis j'ai fait un peu le choqué en mode ah, mais ça me met un peu dans l'embarras, comment je vais faire et tout. Sauf qu'en fait, c'est trop bien. C'est trop trop bien tombé parce que en gros, la fin de mon contrat, c'est normalement le 15 août. Et en fait, j'embauche le 21. Donc ça tombe pile trop bien. Donc bah bien sûr que j'ai accepté. Puisque en acceptant une rupture conventionnelle, j'ai le droit à plus de... Comment ça s'appelle ? Bah déjà, j'ai le droit au chômage, si jamais ça se passe mal. Déjà. Donc, j'ai le droit au chômage. Surtout, j'ai des indemnités de départ. Donc voilà. Donc, on a signé tous les papiers. On a signé les papiers une première fois la semaine dernière, mais il y a eu un petit bug. Donc, on les a re-signés hier. Je ne serais pas pour le chômage, là. Ah ouais ? Comment ça va, d'ailleurs ? Il y a une aura lumineuse là. Franchement, c'est trop bien. C'est un petit peu. C'est ça, Tini, pour faire simple. Hop là. Je sais pas pourquoi je sens que je vais me faire défoncer. Et on va le prendre en photo, lui, je crois qu'on l'a jamais pris en photo. Ah bah, il n'y a pas à le prendre en photo. Okay. T'attendais. C'est vrai que tu viendrais. Mon rôle est de tester la force de ceux qui parviennent jusqu'ici se mettant en une épreuve. Réussis là et je te raconterai l'histoire du lieu où nous nous trouvons, l'île du prélude du Céleste. Tu as les qualités requises pour te mesurer à cette épreuve dont l'histoire de l'île est la récompense. Reviens me parler quand tu te sentiras prêt à la tenter. Tout le monde est en vacances dans la boîte. Il n'y a que des galères avec des clients, mais on garde le smile. Il y a les vacances dans 2 semaines. Toi, tu as la... Franchement, moi, ça va. Hein. Franchement, ça va très, très bien. Je suis soulagé. Du coup, la semaine prochaine est ma dernière semaine de travail. Et puis après, j'ai 3 semaines de vacances avant la fin de mon contrat. Et ça me fait du bien. Tu as déjà commencé... Ouais, on a fait... le premier live, on l'a fait hier. On a fait la découverte et le prochain stream sera dimanche à 19h30. On sera également sur du gameplay cette fois-ci. Ouais, tu m'aurais annoncé que la boîte était en liquidation judiciaire, ça m'aurait pas étonné. Vu... Bah ouais, bah moi aussi, mais bon, non, toujours pas. Non. Écoutez, moi, on m'a proposé ça, donc j'ai dit go, quoi. Ouais, je veux savoir. Très bien. Je vais t'expliquer en quoi consiste cette épreuve. L'épreuve est assez simple. Je suis d'allumer les 3 feux de bois qui se trouvent sur cette île, puis de revenir avant la fin du temps imparti. Tu disposes de 12 heures. L'épreuve débute avec la sonnerie de la cloche et prend fin à la sonnerie suivante. Voilà pour les explications. Si tu désires relever cette épreuve, je te demande d'attendre ici jusqu'à la sonnerie de cloche du matin. Et tu vas relever le défi. Oui. Entendu. Mais on sait où est-ce qu'ils sont ? Patiente donc jusqu'à ce que les îlots s'élèvent avec la sonnerie matinale de la cloche à 7 heures.
Bah, tout compris. Du coup, faut que j'allume des brasiers, quoi. Ça tremblote un petit peu. Merci de ta patience. L'épreuve va pouvoir commencer. Veux-tu que je t'explique quoi encore ? Oui, s'il te plaît. Alors, très bien. Je vais t'expliquer en quoi consiste cette épreuve. L'épreuve est assez simple. Allume les trois feux de bois et reviens d'ici la prochaine sonnerie de la cloche. Ok, il y en a un là. Oui, il y en a un là. Toutefois, pendant toute cette période, il est interdit de poser le pied ailleurs que sur le toit du temple. Attendez, sœur. Attendez, quoi ? On n'a pas le... Hein ? On n'a pas le droit de... Bah attendez, ils ont fumé, là. On n'a pas le droit de poser un pied en dehors du temple. Ok. Coucou, Jimilda, comment tu vas ? Bah attendez. Ma petite moto, là. Ça va, toi ? Bah écoute, ça va. Ah non. Ah, le jeu. J'ai pas le droit. Oh my god. Non. On va se mettre à plat. C'est rapide. Je déménage demain. Trop bien. Tous les cartons sont faits. Hop là. Bah moi j'ai... Alors là j'avoue qu'aujourd'hui j'ai un peu commencé à ranger mon bureau. Oh là là, c'est une blague. J'ai commencé à ranger mon bureau, j'ai commencé à ordonner tous les dossiers, tout ça quoi. Il manque plus grand chose. Pas tant mieux. Bah ça va me faire du bien, ça va être un nouveau départ, ça va être cool. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah bah, on va avoir un petit souci, les gars, là, parce que... Attendez, ça, si je le jette, on est d'accord que ça prend feu, ça ? Oui. Une chance qu'ils avaient précisé. Bah, ils avaient précisé, mais j'avais pas compris que... En fait, je pensais qu'on pouvait quand même se poser sur le morceau de... Bah, sur le truc, quoi. Attendez, c'est moi, le Brasil a disparu. Attends, il faut que je leur parle. excusez-moi, monsieur. Monsieur le robot. Oui, je suis prêt. Ah bah du coup, j'ai gaspillé une moto pour rien, quoi. Voilà. Oui, c'est bien, monsieur, blabla. Oui, non, c'est pas la peine. Donc, on refait ce qu'on avait fait, parce que c'était, je pense, une bonne idée. Je pense que si on se pose là-dessus, on va refaire un test. Si jamais on peut pas se poser avec ça, là, par contre, le problème de ce truc-là, c'est qu'on peut pas ralentir. Non! Ouais, bon, ça va être compliqué. Coucou Sandal, comment tu vas? Bon, ça va être compliqué ce soir. Il va falloir qu'on fasse ça autrement. Hop. Sandal, je sais plus si tu l'as fait. Est-ce que tu m'as envoyé ton adresse, ton nom et ton prénom? Comme, tu sais, faut que je t'envoie le pins.
Je crois pas. Je vais les envoyer. Je vais tout envoyer demain. Ça va tout juste rentrer du boulot. Trop bien. J'espère que ça s'est bien passé. Faut qu'on trouve une idée. Bon, ça va répondre. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Comme je vais les envoyer demain, ça, demain, j'envoie tous les pins. Je passe une autre construction et j'ai peut-être une idée sur la construction en question. En vrai... Si on construit autre chose... Genre, il me faudrait ça, par exemple. Mais... J'aurais pas autre chose. On a la moto. On a ça. Ça pourrait être très pratique pour moi. On va plutôt la poser là. Je pense que ça. Et c'est bon. Hop. Go Mathieu, comment tu vas? C'est quoi les news de l'ancienne boîte? L'ancienne boîte, écoute, change de. Enfin, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de boulot. Après, je suis en vacances. Ah, attendez, c'était un peu compliqué de se poser là. Il y a peut-être moyen de moyenner. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à allumer ça là-bas, moi? Non, 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 le jeu. Ah, je suis bloqué. bonjour, Kylian. Ça va, écoute, ça va. Je suis bloqué là maintenant. J'ai envie de pleurer. Voilà. Ah, fait intéressant, on peut aller. Ah, on peut aller dans l'eau, apparemment, ce n'est pas considéré comme problématique. Ah. Bon. Bon, on est dans la merde. Hein. Je vais en profiter. Ouais, je vais en profiter, je vais faire quelques travaux dans l'appart. Me reposer aussi, ça va me faire du bien. Hop. Bon. On n'a pas de chance. Écoutez, on avait bien réussi à faire les 4 temples sans aucun problème, mais alors celui-là. Et merci la bande passeur. Okay. Et bonjour Sylvia, comment tu vas? T'as vu mes derniers messages? Comment ça? Bah oui, quand tu m'as dit ça va et toi, j'ai dit oui, ça va. On a des petits, des pseudos, c'est des petits plaisantins. Mais attendez, du coup, moi j'ai au top et toi, mais ça, c'est... Bah écoute, ça va. Je suis en train de galérer là, parce qu'il faut que je fasse un. Mais je suis en train de réfléchir. Et j'ai ma petite idée. Je pense qu'il faut que je crée un véhicule avec, vous savez, les carrés flottants là. Qu'est-ce qu'ils sont? Il y a des gros cubes flottants et je pense que c'est avec eux qu'il faut que je le fasse. Genre là-bas. Il y en a. Bah écoute, ça va, Cilia. Ça va. Et coucou Lilou, Lily, pardon, également sur TikTok. Mais ouais, ça va. Puis, en vrai, je suis un peu éclataxe aujourd'hui, mais ça va. Ça va. Je pense, si jamais vous entendez Noxy, c'est normal. Le chat passe son temps à miauler. J'ai envie de l'empailler. Tu trouves le jeu toujours aussi cool de... Toi qui es non-connaisseur. Ouais, bah écoute, moi j'aime bien le jeu, vraiment. Je pensais pas. Vraiment, je pensais pas parce que j'aimais, comme je le disais, j'aimais pas trop la licence Zelda.
Et vraiment, là, pour le coup, eh ben, il est vraiment, il est quand même pas mal, hein. Je suis satisfait. Merci, Zelda, pour le follow. Merci beaucoup. Alors en fait, moi j'allais partir du principe de faire ça. Et après de faire... Hop. Et ça veut bien. Le chat continue de miauler. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. En fait, j'aimerais enregistrer ça dans mon... J'ai envie de me le prendre et tester un nouveau un truc nouveau. Bah, en vrai, vas-y, parce que vraiment, moi, j'ai... Enfin, en tout cas, pour quelqu'un qui n'aime pas Zelda de base, moi, je me suis vraiment éclaté. Est-ce que ça, je peux le sauvegarder, du coup? Ou ça, c'est déjà sauvegardé? Ça, c'est déjà sauvegardé. Ah ouais, ça coûte 106! Ah ouais, non, on va pas faire ça. Hein. Ah non, 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 non. Et eh ben... Ah, je sais pas quoi faire. Et eh ben, je sais pas quoi faire. Voilà, c'est dit, c'est fait. Si jamais il y a des gens dans le chat qui ont déjà fait ce temple-là, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez une astuce avec peut-être... pour faire une certaine construction. Je vais surtout aller récupérer des... Ça, là. Ici, on a quoi? Ça, ça m'intéresse pas. Là-haut, il y a quoi? Là, les turbines, non, il me faut les... Il me faut ça, il faut le gouvernail. Hop là. Le petit gouvernail. Et d'ailleurs, dans la team des gens qui jouent aux Sims, là, dans le chat, vous en pensez quoi, vous, du nouveau pack d'extension via la campagne, via Orange? Ma mère n'a toujours pas compris que je stream le vendredi après-midi. Coucou, ouais, ouais, comment tu vas? C'est par hasard, tu sais décocher des flèches avec des boules de feu pendant que tu es sur ton planeur. Ouais, je sais, mais en fait, j'ai plus d'arc. Faut que j'aille en chercher. Ah, si, 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 il n'y a aucun problème. On peut parler de tout. En fait, vous savez, moi, mes streams, c'est vraiment c'est du blabla. Hein. On discute beaucoup, donc il n'y a aucun souci. Mais ouais, non, je voulais savoir un petit peu. Moi, en tout cas, j'aime bien pour l'instant le mode construction et tout. De me dire que j'ai plus rien. Non, mais Mister C, il va falloir aller farmer, là, en fait. J'ai plus... Ah, si, il me reste ça. Voilà. Et pour l'instant, le catalogue construction, j'aime beaucoup. La map, j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression... Pour l'instant, c'est qu'une impression. Hein. Mais qu'en fait, il manque énormément de choses qui auraient dû être là dans le jeu et qui n'ont pas été mis, finalement. Le délire des licornes, là, on nous a dit qu'il n'y avait pas de licornes dans le jeu. C'était juste des chevaux avec des customisations en mode licorne. Sauf qu'il y a un truc qui n'est pas logique, c'est qu'il y a littéralement une licorne dans le débogage. Pas encore testé, mais ça a l'air pas mal. Franchement, il est cool. Après, le gameplay, je ne l'ai pas encore fait. La ville est très cool. J'avais très peur que la ville soit ultra redondante. Ça allait être encore une ville avec des... Comment ça s'appelle? Avec des... Bah, un désert et tout. Et en vrai... En vrai de vrai, c'est grave quali. Je sais pas. Après, bon, les licornes, en vrai, je suis un peu en mode OZEF, parce que c'est vrai que les licornes, elles feraient un peu tâche dans ce monde-là. Mais genre, mettre des licornes, par exemple, dans monde magique, ça serait plutôt logique. Et qu'est-ce qu'il y a là? Attends, il y a Noxy la relou qui miaule. De l'attraper, c'est pas rien à fond. Où est-ce qu'on peut trouver des arcs? Là, je suis un peu... Attendez, je sais où on peut choper des arcs. On va se téléporter au château. Il y a des arcs partout dans le château. Moi, des licornes partout, ça me va. Oh, je me doute. Puis dessus, je suis en train de créer une maison, mais je n'ai pas encore fait de gameplay. Ce sera d'ici ce soir. Franchement, la map, elle est incroyable. Les constructions des Game Changers, à part deux constructions que je n'aime pas,
L'espèce de maison avec les. Vous savez, avec le. Avec l'énorme mur de fenêtre. Incroyable. Oh, je pense pas. Je pense que c'est encore un pack où rien ne s'est passé comme ça aurait dû être. Je viens de faire une grosse connerie là. Voilà. Non, non, mais ça c'est. Voilà. Là, l'épée elle est morte. Ah bon, j'ai un arc nul, mais au moins j'ai un arc. C'est pas le cas pour tous les comptes du Sims. Bah, si, à tous les Sims 4, mais. Vraiment, moi, j'étais très, très, très pessimiste avec ce pack-là. Je l'attendais pas et je m'attendais vraiment à une catastrophe. En vrai, pour l'instant, le catalogue construction, il est incroyable. Donc, j'ai rien à dire par rapport à ça. Voilà ce que je cherchais. Le catalogue construction est incroyable. Le catalogue d'objets est très, très stylé. Bien que ça manque de 2-3 trucs. Mais c'est vraiment parce que je pinaille. Mais très intéressant, en tout cas. Merde. On est mort. Perso, j'arrive toujours à trouver quelque chose de cool dans ce qui. Non, mais bien sûr. Alors, en fait, là, moi, j'ai juste pinaillé. Parce qu'en vrai, de vrai, dans le catalogue construction et dans le catalogue d'objets, j'ai rare. Enfin, j'ai vraiment pinaillé pour trouver un truc qui allait pas. On a quand même trouvé deux bugs graphiques. Ils sont très gênants. J'espère que c'est juste temporaire. Il y a un bug où dès que tu passes ta souris sur les murs, les murs disparaissent. Donc c'est très chiant. Et un autre où quand tu fais des escaliers doubles, si tu fais un L, le mur qui est sous l'escalier ne suit pas la forme de l'escalier. On a fait une très belle chute. Oh, il y a un Korogu là. Faut que je fasse quoi, je lui tire dessus. Yaha! Voilà. Ma petite Noxie. Noxie a dormi avec moi cette nuit. Je pense que. Enfin, c'est pas que je m'occupe pas assez de Noxie, mais je lui porte déjà beaucoup d'attention, mais je pense qu'elle en voudrait encore plus. Ah oui, hein. À mon avis, elle va être contente quand je vais rester là pendant 3 semaines en vacances ici. Ah, c'est relativement embêtant, ouais. Ah oui, j'ai cassé ma meilleure épée quand même. Au revoir. Ah, il est mort. Bon, on n'aura pas son loot, mais au moins il est décédé. On va juste checker si on n'a pas 2-3 trucs à récupérer par là. Mais au moins on a un arc déjà. Ah, Noxie, elle demande énormément d'attention. Ça en est un peu relou des fois. Et coucou ciel. Bon courage pour le boulot. La mienne fait dodo dans mon lit en diagonale. Alors moi, Noxie, quand elle dort avec moi, du coup, elle dort aussi en diagonale. Avant, elle avait un pouf. Bah, son pouf ne sert à rien maintenant. Porte de là. La terre ferme. Du coup, est-ce qu'on retenterait pas d'aller dans le temple de l'esprit là? Est-ce que comme un gros boulet, parce que je suis un gros boulet. Je n'ai pas mis de cercle de téléportation. Excusez-moi, Noxy.
Donc en fait, Noxie, elle veut des caresses, mais que à l'endroit où elle veut. C'est un peu chiant, quoi. Le mien est, et c'est indépendant, mais depuis quelques jours, il n'a pas le droit de sortir et du coup, il veut que je dors. Non, il veut plus que je dors. Ah oui, forcément. Et du coup, là. On va refaire si on va refaire notre idée avec le planeur qu'on a fait tout à l'heure. C'était une bonne idée. On va retourner là. Hop là. Comme maintenant on a un arc, on va pouvoir tirer sur le truc. Hop là. 45 minutes qu'on sait quoi. Ça va bientôt une heure qu'on stream, on n'aura rien fait. Juste galéré. C'est la vie qu'on a décidé de mener. C'est vrai qu'on a fait de belles cascades. Ça, qu'est-ce qu'il est chiant ce machin. Oui. C'est vraiment histoire de... Allez hop. Quelque chose on doit trouver avant de laisser sortir. Ah oui, si ton chat a quelque chose, je comprends. Voilà, bah du coup, ce week-end, j'ai rien de prévu, je crois. Hop, il me semble pas que j'ai de repas de famille ou quoi que ce soit. Ou alors je m'en souviens pas. Mais là, demain... Bah du coup, demain matin, je vais aller à la poste. Demain matin, je vais pas faire de grasse matinée quand même. Hein, pour vous poster du coup bah, les pins. Les petits pins également pour aller poster la peluche que j'ai achetée pour Polar Birou qui m'avait demandé d'acheter la peluche à la TwitchCon. Donc là, je vais lui envoyer également demain. Et après, ça va être ménage d'été dans mon appartement. Vous, Clem, comment tu vas? Moi, je bosse sur le départ de la dernière étape du Tour de France dimanche. Donc, mon objectif, c'est de choper un autographe pour ma mère qui... Oh, bah bon courage. J'avoue que moi, le Tour de France, c'est pas du tout mon dada. Ça se voit, bah, écoute, ça va. On est en train de galérer pour faire ce temple, là. Ah, c'est pas qu'en soi, il est compliqué. Je suis nul. Donc là, il me faut... Attendez, il... C'était pas celui-là. Faut que je le sauvegarde. Dans les favoris. Ouais. Hop là. Ça m'intéresse pas non plus. Attendez, il s'est cassé? Ou alors, il s'est vraiment... Ok, il s'est vraiment mis pile là où il fallait pas, quoi. Et pas de soucis, Clem. Bon leur qu'à toi. Après, il va falloir qu'on trouve... Vous voyez comment je suis nul en plus. C'est bon, un d'allumé. Le problème, c'est qu'il faut trouver les autres brasiers maintenant. C'est ça le problème. Attendez. Cherchons sur la carte. Il y en avait un ici. Je suppose qu'il y en a un là et un par là-bas, je pense. On croit en toi. Bah, faut déjà qu'on trouve les brasiers. Une fois qu'on les aura trouvés, je ne doute pas spécialement de la réussite. Oh,
Ah, les bâtards. J'avais oublié que ça se casse. Oh non! Attendez. Nouvelle cascade bientôt, je crois, oui. Attendez, sinon, si je me pose là-dessus, je suis bon. Regardez bien l'ennemi qui va me taper dessus, là. Ouais, non, non, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je n'existe pas, tu ne m'as pas vu. Merde, Link a froid. Où je trouve l'autre brasier, il est où? Ah, il y a un brasier là-bas. Au moins, il est au sol, oui. Parce que en plus je sais pas viser. Au moins on est à peu près posé. Voilà. Ça ne sert à rien de. Celui-là, il est perdu à jamais. Ça va me coûter cher cette histoire. Est-ce que c'est affiché sur la carte? Ça se trouve c'est affiché sur la carte. La batterie se vide vachement vite. Bah oui, oui, oui. Je m'en rends compte. Donc on a chopé celui-là. Mon avis, il y en a un là-bas, je pense. On a chopé celui du milieu. Il doit être là-bas à droite. Par contre, après, il faut remonter. Ça va être comique, cette histoire. Recherchons les brasiers. Mais avec ma technique, ça marche. Bon, alors, ça consomme beaucoup de machins sonos, là. Enfin, les cailloux. Mais ça passe. Si jamais vous le voyez, le brasier, dites-le moi. Hein. On va faire ça. Ouh là là. Oh, t'es pas cool. Ça va. Vous allez voir que ça va disparaître dans le pire des endroits. Ouais, t'es sûr. Ah ouais, ça disparaît au-dessus de l'eau. Bon. C'est bien. Bon, enfin, maintenant, je suis bloqué. Parce que là, je peux aller nulle part. Arf, quoique. Vous voyez qu'on peut rajouter quelque chose là-dessus? Si j'ai des trucs avec du feu. C'est bon. Là-bas. Ouais, je déconne pas là. Je suis en train de. Je vais mourir noyé. Non! Non! Ça va mal finir ce soir. Attendez. Non. T'as construit pas cher, tu peux pas la mettre sur le. Sur. Ah ouais, sur la rive. Peut-être, ouais. Attends là. C'est bon. Ouais, attendez, c'est chaud, hein.
On va revenir là-dessus. Non, je peux pas revenir. Je peux pas remonter? Ah, si, j'ai eu peur. Ah! C'est bon. Je suis de nouveau sur la planche. Comme Rose dans Titanic. On va acheter... Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? On va mettre une petite moto. Non, pas une moto. Ouais, c'est ça. C'est à la place de Jack. Le problème, c'est que si je la mets là-haut, on va essayer, tant pis. Ce que je voulais éviter. Bon. On a été très cons, là. Ah. On vient de gaspiller bêtement des trucs. Non, 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 non. Voilà, meurs, toi. Voilà. Mange-toi ça. Ah ! En plus, je suis mort. Très bien, on adore. J'adore rire. Monte avec ta combi. Ah là, mais oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Bah attends, parce que je suis mort. Déjà, on va faire autrement. On va réactiver ça, mais je pense qu'il y a moyen de mettre une balise à l'endroit où il y a les brasiers. Comme ça, si on sait où est-ce qu'ils sont. Après, je trouve ça bizarre, ça s'appelle le temple du temps et on n'a pas besoin d'utiliser le truc avec le temps. C'est bon. Hop, alors. Du coup, on a vu qu'il y en a un là-bas. On a vu qu'il y en a un là-haut. Merde. Il était où? Il y en a un là. Et on va retourner sur la carte. Et on va enlever. On va enlever le bleu là-bas qui ne me sert plus à rien. Effacer la balise. Et le vert aussi. Effacer la balise. Voilà. On a déjà trouvé deux. Faut trouver le troisième. Alors, où est-ce qu'il est le troisième par contre? C'est la question. Et on a 12 heures pour faire tout le truc. En fait, ce qu'il faudrait réussir à faire. Mais. Bah, je pense à droite aussi. Hein. Je pense qu'il va être par là. Dans la logique, il devrait être par là. Dans la logique, il devrait être ici. On cherchait tout à l'heure. Hop, je me rappelle plus, le temps passe vite dans Zelda. Non, ça passe pas si vite que ça. Coucou, Tuk Tuk. Et si tu actives la quête dans le journal? Ah, j'avoue. Il y a peut-être raison. Attends, les sels... Ah non, c'est même pas ça. C'est l'île 16 du Prélude. Merci Tuk Tuk pour le follow. Mais ma mère, elle comprend pas que je suis en live. Ah, mais si, regardez! Ça apparaît sur la carte. Bah! Bah, merci. En effet, fallait l'activer sur la carte. Bon, ok. Bon, bah, c'est beaucoup plus simple que prévu, alors. Ok. Merci beaucoup. Bon. Et ben, on va refaire notre petite technique. Qui, en vrai, marche plutôt bien.
Venez-vous dans le jeu. On a battu... Enfin là, on a fait les 4 temples. Les 4 temples classiques. Merde, je me suis trompé. On a récupéré également... comment ça s'appelle, hein, tous les souvenirs des larmes du dragon. Donc on sait ce qui s'est passé. Et là, faut qu'on aille normalement au château d'Hyrule. Mais pour l'instant, on n'y va pas parce que la fois qu'on y a été, on s'est fait défoncer la gueule en 15 secondes. Voilà pour expliquer un peu. Là, je prie beaucoup trop en avance. Il s'est allumé le brasier. Il s'est pas allumé le brasier. Voilà, là, il s'est allumé. On est bon. Carta. Bien avancé. Ouais, on a bien avancé. Hein. Et alors, faut savoir que moi, Zelda, je suis vraiment un noob, hein, à Zelda. Puisque j'avais joué à Breath of the Wild. C'était mon premier Zelda, Breath of the Wild. Et j'avais pas spécialement aimé l'expérience. Et j'ai retenté avec le deuxième. Et j'avoue, le deuxième, j'aime beaucoup. Coucou Hilary, comment tu vas? Attendez, il va falloir qu'on arrive à tourner. Non! Merci pour le follow, Hilary. Ah bah, oh, je suis en train de mourir. Je vais mourir. En plus, j'ai pas de bouffe. Et le problème, c'est que si je vais faire ça, je vais être disqualifié. Non! Voilà. J'avais pas apprécié. Pourquoi j'avais pas apprécié Breath of the Wild? Bah, en fait, j'étais pas très familiarisé avec la licence Zelda. Excusez-moi. Et du coup, le problème, c'est que t'arrives dans le jeu, tu comprends rien de ce qui t'arrive. J'ai trouvé le monde joli, mais extrêmement vide et très répétitif. En fait, les temples étaient tout le temps les mêmes. Enfin, les temples, les sanctuaires, c'est toujours la même chose. Et je trouvais l'histoire très, très, très mini. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'histoire au final. C'est tout ça qui a fait que je n'ai pas, j'ai pas réussi à rentrer dans le jeu, puisque je connaissais pas le lore Zelda. Ça m'a pas donné envie de savoir la suite, quoi. Breath of the Wild n'était pas spécialement adapté au nouveau genre. Voilà, c'est ça. Car on te catapultait dans le jeu sans trop de contexte. Bah, c'est exactement ça. Et c'est ça que j'ai pas aimé, moi. Après, je comprends, hein, les fans de Zelda, ils étaient trop contents parce que forcément, hein, c'est un monde ouvert et tout, c'est trop bien, c'est une révolution. Ça, ouais, mais... Attendez, j'ai combien de flèches, là? Faut pas que je me plante, hein. Hop là. Mais voilà, un petit peu le pourquoi du comment. Breath of the Wild, j'avais pas trop aimé. Alors, j'avais terminé le jeu, hein. Mais enfin, j'ai terminé le jeu. Après, j'ai pas battu Ganon parce que j'y étais allé sans stuff. Mais j'avais regardé une vidéo où, comme ça, je regardais comment est-ce qu'on pouvait le tuer. On a failli se crasher, mais on l'a pas fait. Est-ce qu'on peut pas réellement monter en altitude avec ce truc-là? Il est où l'autre là? Ah oui. Non! Bon bah c'est fini.
Je la barre. Relation. Enfin, coucou à toi. Ah, je suis dégoûté. Attendez. Si je meurs. Faut que je meure. Attendez, je vais mourir. Je préfère mourir. Oui, ah, non, du coup, ça. Ça va me faire commencer l'épreuve. Ah oui, la chute. Mais attendez, on va recharger la partie parce que j'ai bientôt plus de trucs pour cramer. Peut-être d'autres choses pour cramer. Là, j'en ai 3. Ah non, j'ai quasiment... Si, ça brûle, je crois, ça. Bon, c'est bon. La chute, oui. On va y arriver, hein. Hop. Mais je vous l'ai dit, je suis un noob. Je pense que comme ça fait presque un mois que je n'ai pas touché au jeu, j'ai perdu tout mon skill. Personne loue un appart à Paris au max aux alentours de Paris pour 1000 euros de budget SVP. T'arrives pas à trouver même avec 1000 balles de budget ? Oh pauvre. Après, sauf si tu veux faire de la coloc, mais enfin, je connais... Enfin... Les peu d'amis que je connais à Paris, ils sont plus à Paris. Impossible. Ah ouais. Tu peux pas essayer avec ta combi plutôt ? Bah, le problème de la combi, c'est qu'en fait, je peux pas flotter. Tu me parles de la combi, moi je veux bien. Hein. Attends, tu veux me faire pour la combi de quoi ? Attends. C'est quelle combi que tu me dis ? C'est celle où tu voles ? D'ailleurs, j'ai celle-là qu'il faudrait que je mette. Les auras. Les auras, c'est ceux qui vont dans l'eau. Hein. C'est ça. Je peux remonter dans les chutes. C'est vrai qu'il va peut-être falloir que je fasse ça. Mais le problème, c'est qu'une fois que je suis dans les chutes, je serai bloqué. Ah, mais oui, je suis con, je peux voler après. Mais oui, mais moi, je suis un peu teuteux. Hein. Je viens de faire une grosse connerie, là. Oh merde! On va faire ta technique. Un peu rapide. Tout à l'heure, j'ai vu une annonce d'un appart à 1000 euros. Je suis allé check. J'ai vu 1000 euros par semaine. Mais ouais, mais le problème, c'est que tu arrives à un moment. Je crois que c'est pas. Il n'y a pas un événement bientôt là à Paris? Tu vois, ils activent le paravol. J'aime bien dire que je suis un peu teuteux quand je tilte pas sur le moment, alors que c'est pas bien compliqué. On va lui donner à bouffer à mon perso. Là. Elle mange des bananes. Alors oui, il faudrait que je fasse à bouffer, je sais, me tapez pas. Jusque là, pour l'instant, je flemme. Faut que je fasse à manger. Les jeux l'année prochaine. Ouais, mais c'est pas dès maintenant que ça augmente au niveau des prix. Et après, sinon, Légion vient sur Orléans. Je sais pas parce qu'il y a ta boîte à Paris, mais sache que de Paris-Orléans, en train, c'est 1h15 à peu près. Paris, ils osent louper tout et n'importe quoi à prix d'or. C'est ouf. Non mais oui, non mais... Oh mon chat. Regardez qui est là.
Regardez qui me fait cadeau de sa royale présence. C'était quoi là? C'est la doudou roulou. Exactement. À mon avis, on ne sera jamais prêt pour les JO. Comment c'est l'anarchie? J'avoue, moi, j'y crois pas non plus que ça fonctionne. Parce que à Paris, partout où tu vas, c'est en travaux. C'est pas commencé. C'est à peine terminé. Enfin, n'importe quoi. Et mieux ton chat. C'est Noxy. Le doux chat qui miaule tout le temps pendant que je stream ou que je fais des TikTok. Ah oui, bon bah attendez, je crois qu'elle a élu domicile sur mes jambes. Très bien. Et Noxy, Noxy, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comme sur un chat qui prend possession du stream. J'ai mis la tenue Zora ou pas? J'ai pas mis la tenue. Un Noxy. Un Noxy. Compris. Voilà. Noxy? Non, tu veux pas? Excusez-moi. J'ai retenu prisonnier par un chat. Je pense qu'en réalité, c'est une très très bonne idée ce que tu m'as dit. En plus, j'ai pas mal d'endurance, donc. Ah mais ça va peut-être falloir apprendre à viser par contre. Eh non mais je suis vraiment nul là. Par contre je pourrais avoir le piaf qui me pousse là. Alors, les piafs qui me poussent, ils ne peuvent pas. D'accord, très bien. Alors, il est en train de se passer quelque chose, les gens. Noxy est sur mes genoux. Je crois que ce n'est quasiment jamais arrivé dans toute l'histoire de la carrière du streamer. Dites-moi que ça... Ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, on est dans la merde. Ça fonctionne. L'a invoqué. Bah, normalement, oui. Où est-ce qu'il... Ah, peut-être pas. Révoquer, invoquer. Oh bah Noxy est parti. Vous pouvez invoquer personne ici. Génial. Attendez, je sais pas par où. Par où je vais passer? Attendez. Où j'aille là-bas. On va reprendre de l'altitude avec ça. On va aller là-haut.
Ouh, j'ai peur. Regardez, ça veut plus. Bon. Après, peut-être que pour cette celle-là, on n'a pas le droit de l'utiliser. Enfin, un peu concombre, enfin. Voilà. Je sais pas trop où je vais. Je pense que je fais pas du tout de la bonne manière. Hop. Et ouais, du coup, je l'ai invoqué. Bon, là, j'ai dû la révoquer, mais du coup, forcément, elle veut plus couper maintenant. Invoquer. Ouais, vous pouvez invoquer personne ici. Je pense qu'en fait, j'ai pas le droit de l'invoquer parce que je suis au... pendant une épreuve. Enfin, je sais pas. Où tu l'as eu ton paravoile? Bah, au début du jeu. J'ai là-bas. Attendez, c'est super haut en fait. Comment je peux y aller? Ah, s'il faut que j'aille sur celle-là là-bas, je pense. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. On aura fait mumus dans l'eau pendant tout le stream. Ah mais attendez, je peux pas aller plus haut, je fais comment là? Attendez. Ah mais non, il est là le truc, je l'avais pas vu. Du coup, maintenant, faut que je fasse quoi? Ou je retourne au... Je suppose qu'il faut que je retourne au temple. À mon avis, il faut que je retourne au temple. Alors, attends, ils ont dit qu'on avait le droit... On avait le droit de marcher sur le temple. Donc, en fait, techniquement, je peux retourner... Il y a peut-être un truc qui m'emmène tout en haut. Non, c'est bon, il y a des cassettes qui m'emmènent presque tout en haut. Ça devrait le faire. Hop là. Bah, merci de m'avoir vraiment dit de faire avec la tenue Zora, parce que sinon j'y serai encore, je pense. Alors, on va aller là. Oh, j'ai trop peur. On va aller sur celle-là qui est plus haute. Hello, Pinchies. Oui. Pues mira, es que hablo español, ¿eh? Pues mira, adiós. Hop. Voilà. Les petits plaisantins, visiblement. Même en espagnol, il y en a. On avait un Juan Kevin. Et comment on les appelle déjà? Les Titouans? Teníamos un Titouan. Parce que ceux qui arrivent sur les streams et qui insultent, on les appelle les Titouans. On en avait un visiblement en herbe.
Voilà. Bonjour, félicitations, tu as prouvé ta valeur. J'espère bien. Ah bon. Alors, comme promis, je vais te raconter l'histoire de l'île céleste du Prélude. Ce plateau se dresse le temple du temps, ainsi que les terres qui l'entourent, étaient autrefois à la surface d'Hyrule. Qu'est-il, Titouan ? On avait un Titouan espagnol, cette fois-ci. Mais comme tu peux le voir, il flotte à présent dans le ciel. La raison est que ces lieux devaient voir un jour l'éveil du héros qui vaincrait le roi démon. On les envoya alors dans le ciel afin que jamais le roi démon et ses sbires ne puissent les atteindre ou les détruire. Ces événements ont cet événement eut lieu dans un lointain passé grâce au pouvoir de puissants sages. Telle est l'histoire de l'île céleste du Prélude. Genre c'était juste... J'ai fait tout ça pour ça ? Ça voit, mais il y a un moment à traduire l'insulte. Mais oui, parce qu'en fait, il l'a super mal... Enfin, il l'a très très mal écrit. Donc en fait, justement, je suis en mode... Ah, attends, qu'est-ce qu'il essaie de dire ? Ceci m'a été confié par les sages qui ont créé cette île céleste. J'ai reçu pour ordre de remettre à la personne qui entendrait mon récit. Tiens, c'est à toi à présent. Ok. Donc on a fait ça, et du coup on a débloqué un truc. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes amiibo, moi ? Attendez, je reviens. Attendez, j'avais ces cartes amiibo qui m'ont pris la place pendant 1000 ans sur mon bureau. Génial, j'en ai retrouvé une, je vais pas aller bien loin. Ouais, j'aurais à réfléchir où est-ce que j'ai mis les cartes amiibo. Moi, je me servais un peu de coca aussi, tiens. J'ai pas eu le temps de voir, je galérais à placer un objet avec le mot objet, t'inquiète. Non mais c'était juste... En fait, je m'en suis rendu compte au moment déjà où quand il a mis un message et qu'il y a eu les trois petits points, donc déjà c'était une insulte. Et puis bah après, voilà. Il avait tellement mal écrit l'insulte. Qui est une insulte pour le coup très espagnole, qui n'existe pas en français, il n'y a pas de terme français pour ça. Ok, bon. Ça, c'est fait. Du coup, un peu la déception, ce temple du temps, là. Je m'attendais à autre chose. Par contre, le temple de l'esprit, on n'a toujours pas compris comment on y allait. Enfin, comment on pouvait faire activer le truc. On dirait limite qu'on peut y accéder par là, quand même. On n'est peut-être pas allé par la bonne entrée. Le mode tool me manque. Le mode tool a été mis à jour. Après, le better build, pas encore, je crois. Bon, je pense que pour dimanche, il sera à jour le better build. On va acheter ça. Ma petite moto. Go 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 Power Ranger. Voilà. Je fasse le tour de ce truc là. Go. Et tellement pratique cette moto volante là. Vous voyez là ce trou de balle là, il arrête pas de popper sur moi. Hein. Par contre, le truc du vent. Voilà. Thank you.
Ok, j'ai failli mourir. On a tous vu que j'ai failli mourir. Il me reste quand même un demi-cœur. Vas-y, récupère ça. Et si vous me dites, en réalité, je ne peux pas y accéder, et je sens que c'est ce qui va arriver. MDR, je peux pas y accéder. Ah si, peut-être. On va acheter une graine dessus. Je peux le révoquer si tu n'aimes pas. Je vais le révoquer parce qu'il est très chiant. On l'avait invoqué la dernière fois, je sais plus pour quelle mission, mais... Oh ! Bah attendez. On vient de découvrir ça. Attendez, on va aller l'activer. Merci pour le follow, Lelisa. Parfait. Déjà, j'ai révoqué celui de l'eau, parce que je trouve qu'il sert pas à grand-chose, celui de l'eau. J'ai quand même l'impression qu'en fait, je ne peux pas aller, je peux pas traverser ici. Parce que là, là, invoqué, il y a foudre. C'est la foudre, on peut la garder. Révoqué. Du coup, c'est quoi? Voile solide, machin, elle prêterait pas vraiment à la confusion d'un paravoile. Vous êtes en train de me dire que j'ai fait tout ça pour un paravoile? Mais quelle déception. Salut, je te dis juste coucou parce que, en fait, je... Alors, coucou Emma. Alors, juste pour information, je te le dis, parce que moi, je le prends pas mal, mais certaines personnes peuvent prendre très mal. C'est très impoli de dire que tu vas sur d'autres streams quand tu viens dire même bonjour sur le mien ou chez quelqu'un d'autre. Voilà, je te le dis. Moi, je m'en fiche, mais fais attention parce que ça peut être très, très mal perçu par d'autres streamers. Mais en fait, on peut pas aller là-haut. Je crois que je me suis fait niquer. Une paravoile jolie. Oui, bon, enfin bon, c'est une paravoile. Ce n'est pas la chose la plus utile, quoi. Je crois que je me suis fait niquer. Parce que je peux pas aller là-haut. Je vais pleurer. Je vais pleurer parce qu'il faut que je fasse tout le tour. Ben, on va faire tout le tour, hein, c'est pas grave. Mais c'est bien, abuse-toi bien aussi, eh ben. Ah là là. On attend que ça régène. Et alors, en attendant, on va peut-être... Ah bah, il est là, le machin, là. J'ai une carte amiibo. Voilà, j'en ai une. Sous la main, je pose sur les autres. Et tu peux pas te TP à l'autre côté? Si, je pourrais, mais ça enlèverait ce que j'ai. C'est juste que ça va m'enlever ma moto. Et flemme. C'est juste pour ça. Pas l'ombre d'une vraie tenue de cavalier dans le CUS. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une détenue, mais un peu comme si t'étais un jockey, non? C'est comme ça qu'on dit. Après, c'est très Far West, hein.
Ça va relativement vite. Mais faut juste qu'on arrive à trouver comment est-ce qu'on va dans le temple. Hop. Monter à cheval en jean, en effet, c'est très cow-boy. Bah, oui, visiblement. Hop, c'est pas très équitation classique, je me doute. Bonsoir à toi, Fan Wen. Visiblement avec ton hashtag neutral, ok. What? Hop là. Apparemment, les chevaux sont plutôt beaux. Bah, apparemment, ouais. Alors nous, on avait fait un, on l'a appelé Findus, parce que nous avons un humour très sympathique. Ça a l'air sympa. Après, je trouve que tous les chevaux se ressemblent. T'as beau les personnaliser de manière assez poussée, je trouve qu'ils se ressemblent tous. Merci, Ezarose. Merci à toi pour le follow. On devrait pas tarder à arriver sur le temple, je crois. Bah, le temple. Ah, bah, il est là. Il y a le temple de l'esprit ici. Grand esprit. Voilà. Il y a la petite moto. Je n'aurai pas de chance. Et nous, on fera du gameplay du coup sur ces Sims-là. Enfin, sur les Sims chevaux là. On le fera demain. Demain. On le fera dimanche. Oui! Ah, je viens peut-être de comprendre. Il manque des poteaux. Est-ce qu'il ne pourrait pas trouver les poteaux aux alentours et les remettre? C'est peut-être ça. Non. Ah, si on prend... Regardez. Là, il y en a un qui est ici. Ou non, peut-être pas. Je pense que c'est moi qui ai peut-être tué. En dessous, on voit qu'il y a quelque chose. Je veux dire, si on peut interagir avec quelque chose. On peut pas monter là-haut. C'est quand même chelou, hein. Il te manque des quêtes, peut-être. Bah, j'ai pas la quête, en effet, de celui-là. Là, j'ai le grand Koga. Message des anciens, de l'ancien temps. Quête de vérité. C'est quête secondaire, tout ça. Là, il faut que j'aille au château, en fait. Ouais, je sais. Faire une quête avant. Bah, j'ai l'impression de faire une quête avant, ouais. Là, on a plein de trucs avec des fusées aussi. C'est bizarre, ça. Là, on a une colonie de vacances. On va récolter quelques petits esprits. Et ce que je vais faire, avant d'oublier, c'est qu'on va placer un saut de téléportation ici. Comme on a fait par exemple au château d'Hyrule, ce qui était beaucoup plus simple. Voilà. Comme ça, je pourrais me téléporter ici. Bon, bah si vous me dites qu'il faut que j'ai une quête, ça va être complicado.
Je pense que selon Raphaël, on va remonter à la surface. On va revenir ici. Hop là. Et on va un peu voir ce qu'on peut faire. Merci François pour ton raid. Comment ça va tout le monde? Comment est-ce qu'il va le copain François? Comment ça va tout le monde? Redou tout doux, oui, les tout doux. Comment ça va? Sur quel jeu étais-tu? Est-ce que tu étais sur les Sims? Coucou Lucifred, coucou Charlie. Hop. Ah, et puis Noxy te dit bonjour aussi. N'hésitez pas à aller follow François qui fait des streams de qualité. C'est quoi un raid? Un raid, c'est quand un streamer termine son stream, au lieu de couper le live d'un coup et qu'il se retrouve sur un écran noir, il envoie tous les gens présents dans le chat sur un autre stream. Voilà, tout simplement. Bah, un nouveau challenge médiéval, ça existe. Ah bah oui, avec les chevaux. Tu as bien fait. Ah, attendez, je vais voir ce que veut Noxy et en même temps, je vais essayer de trouver mes cartes amiibo. Je reviens tout de suite, les gens. Je reviens tout de suite. Ne quittez pas. Me revoilà, excusez-moi. C'est quoi? J'ai quand même réussi à paumer mes cartes amiibo. Pas où elles sont? Je ne sais pas où elles sont. C'est con parce que ça m'aurait permis de faire de la bouffe. Ah si, c'est bon, je les ai trouvés. Je les ai trouvés! Elles étaient rangées au bon endroit. Le pire, c'est ça. Elles étaient rangées au bon endroit. Hop là. Du coup, ton challenge médiéval, t'en es où? Parce que si tu l'as commencé, je me doute. Mais est-ce que t'as déjà bien avancé? Alors, on va scanner les petites cartes amiibo pour la richesse culinaire. En fait, je pense qu'il faut que j'arrête de ranger les choses parce que j'ai l'habitude à ce que ce ne soit pas rangé. Et quand je les range, je les retrouve pas. C'est déplorable. Ouais, mais comme disait Shioko tout à l'heure, hein, les cartes amiibo Animal Crossing, elles servent à rien dans le jeu Animal Crossing. En revanche, dans Zelda... On a juste commencé la première famille, eh bien c'est bien galère. J'adore rendre les histoires des Sims 4, c'est plus difficile. Bah, en même temps, les Sims 4 c'est tellement simple quand tu commences une partie aujourd'hui, si tu ne mets pas un peu de challenge. Il faut bien. Et là j'avoue, une partie dans les Sims 4, tu peux trop t'amuser, genre un truc médiéval et tout. Genre sur l'île de Windenburg, où tu te déplaces cadeau de cheval et tout, ça peut être marrant. En plus, il y a un terrain 64-64, tu peux faire un château avec avec des écuries. Excusez-moi, c'est pas le plus passionnant là. On était littéralement sur l'île de Windenburg, bah voilà. Les grands esprits se rencontrent. Ah.
Alors. Hop. Ouais, sinon dans le chat, vous prévoyez quoi, vous, ce week-end? Ah, elle est pas reconnue, cette carte. Non? Si, c'est bon. Je me dis, les gens qui n'ont pas de carte Amiibo, c'est-à-dire qu'ils doivent farmer littéralement tous les ingrédients. Dès qu'ils se baladent, faut qu'ils chopent, qu'ils tuent toutes les créatures. Genre, c'est horrible. Nous, on gagne un temps monstrueux, quoi. Dormir. J'avoue, c'est pas négligeable, dormir. D'ailleurs, en parlant de dormir, j'ai téléchargé l'application Pokémon Sleep. C'est une application qui permet d'analyser son sommeil, mais version Pokémon. C'est assez rigolo. Oui, c'est horrible, je confirme. Bah, nous, comme on a plein de cartes Amiibo, parce que bah, avant, je streamais beaucoup d'Animal Crossing, maintenant, j'ai arrêté. Bah alors. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps qu'on a fait des streams Animal Crossing que littéralement, j'ai l'impression de n'avoir jamais streamé d'Animal Crossing. Alors que c'était une grosse période de ma chaîne, hein. Voilà. Je me savais un peu de coca. Hop là. Parfait. Je ne t'ai jamais vu streamer sur SNH. À SNH, je le streamais à l'époque où c'était la première année de ma chaîne. Vraiment la première année. Quand je streamais en journée. Et en fait, je streamais en journée les Sims et le soir, je streamais Animal Crossing. Alors, on va se faire à bouffer. Donc, on va descendre dans le bunker, là. Demain, on va aller faire quelques magasins et manger un bout et découvrir. Et après, cinéma. Tu vas aller voir quoi au cinéma? Est-ce que tu vas aller voir Miraculous? Bah, attends. En termes de bouffe, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? On va le régénérer un peu parce que le pauvre, il est un peu en mauvais état. Choisir une recette, voilà. On peut peut-être lui donner... faire ça. Oppenheimer. Okay. Ah, pas du tout le même délire. Non, je vais pas poser. Je peux tout. D'ailleurs, t'en es où, Shioko? Ma sœur, depuis que je lui ai fait découvrir Miraculous, elle est à fond dedans. D'ailleurs, j'ai pas écouté son vocal hier soir. Hier soir, elle m'a fait un vocal. Je l'écoute. J'ai oublié, je viens de tilter que hier elle m'avait fait un vocal. Elle avait l'air d'être en PLS. Ah. On va. Qu'est-ce que je pourrais faire? Hop, vers le milieu de la saison 2, ok. C'est une dinguerie Miraculous. Au début, moi, j'aimais pas, je comprenais pas l'engouement de Miraculous. Et puis, bah, en fait, c'est trop bien. Je possède des thunes. Donc, j'ai tout terminé. J'ai vu les 5 saisons. J'ai vu le film. Et coucou Kashi, comment tu vas? Merci à toi pour ton resub. Merci à toi pour ton 9e mois d'abonnement. Oh là là, déjà 9 mois. Ça fait un bébé. Ah, c'est le bébé Mister C. Comment tu vas? Alors, on va faire ces trucs-là aussi. Là. Alors, je fais masse bouffe, mais on en profite parce qu'à chaque fois, j'en fais pas. Et à chaque fois, je me trouve comme un con. Là, au moins. Une recette... Ça fait quoi? Ouais. Ça augmente l'attaque. Ça. Ça augmente. Ouais, ça diminue le froid.
très fatigué. Mamie a fait la fête hier et elle assume plus de sortir en semaine. Toi, ça va? Écoute, ça va bien, ouais. Ça va bien, ça va bien. Un peu fatigué, mais rien de bien méchant. On va un peu innover, je pense. Prendre, on va en prendre 3. Voilà, on va faire. D'accord, ça faisait rien de spécial. On va déjà manger. Voilà, comme ça, il n'y a plus le petit bruit insupportable. Tant qu'on est là, on va continuer à faire de la bouffe. Faire une recette. Je voulais, je retourne combattre. Pas de soucis, Kashi. Merci à toi d'être passé. Merci à toi pour, du coup, pour le resub. Et puis, bon week-end et repose-toi bien. Choisir une recette. Voilà. Bon, je pense qu'on a bien cuisiné là. Voilà, limite. Prendre et on pourrait peut-être mettre genre ça. Pas trop ce que ça va faire. Délice des bois de viande. Bah voilà. Et là, je trouve qu'on s'est pas trop mal démerdé. Est-ce qu'on a de quoi avoir une nouvelle... Oh, mais oui, regardez, on peut avoir un cœur supplémentaire. On a été con, on a fait un truc à manger, alors qu'en réalité, j'aurais pu me régénérer avec ça. Un peu teuteux. Mais bon, que voulez-vous? Attendez, hop. Yes. Ok. Ça, c'est fait. Écoutez, on est tout bon là, je pense. Hein. Allez, je vais promener le chien. Des bisous. Pas de soucis, François. Bon promenage. Ça veut rien dire. Bonne promenade. Bon, après, je pense qu'on va couper le stream vers 20h30. Ce serait pas mal. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Après, à 20h30, j'irai regarder. Moi, de mon côté, j'irai continuer. Ça s'appelle. Ah, Demon Slayer. Voilà. Attendez, on a quoi comme mission qu'on peut faire? Parce que je pense que, étrange phénomène au château, il y a tous les ennemis, je vais me faire taper. J'ai clairement pas le stuff. Il est quelle heure chez vous maintenant? Nous, il est 18h40. Il reste encore un peu moins de 2 heures de stream. Oui, moi j'achète les bombes là-dedans. Pratique. Voilà. Par contre, je pense qu'on va lui enlever son masque affreux là. Parce... Alors ouais, j'ai chopé le truc des Korogu. Je sais plus où je l'ai trouvé, mais j'ai trouvé le. J'ai trouvé ce truc là. Il a une dégaine, le pauvre Link. Là, ça donne 3. Ça donne 4. Je crois qu'il court moins vite. Ok, alors, si, mission. L'archeuse de Zelda, bon, ça on a compris. Dans les missions secondaires, on a quoi? Détecteur de hiéroglyphes. Je te laisse en l'air, je reviens, pardon, il y a pas de Kyoko. Alors, faut que je... Ah oui, c'est vrai que faut que je prenne... J'ai toujours pas collecté les données pour ça.
Invasion de pirates. C'est vrai qu'on avait essayé de les buter, on n'avait pas réussi. On a le plan du grand Koga. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi. Dans la mine abandonnée centrale, vous avez croisé le grand Koga, chef du gang des Higas. Il cherche à s'emparer du pouvoir Sonao pour déclencher la fin du monde aux côtés de sa magnificence. Tout cela pourrait être lié à la disparition de la princesse Zelda. Le grand Koga est parti en suivant les statues vers la mine abandonnée au sud-ouest. Je sais que, en fait, sans faire exprès, j'ai déclenché ce truc-là. Et en gros, si j'ai bien compris, c'est le boss pour le tuer. On peut tenter de l'éliminer, lui. Le seul grimé des temps anciens. C'est aussi encore écho. Se trouve d'autres écrits antiques. Écoutez, soit on fait un message des temps anciens, soit on va voir le plan du grand Koga. Peut-être faire le message ancien. On va aller là-bas. Oui, mon chat. Il y a le gros bébé chat qui miaule encore pour changer. Hop, ça, on est bon. Attends, avec un petit truc. Pendant que ça charge. Que je vois les messages anciens, j'ai envie de savoir ce qu'il dit. Bah ouais, c'est pour ça. D'ailleurs, Sandal, avant que tu oublies, sauf si tu t'avais encore jamais rien gagné sur mes giveaways. Il faudrait, n'oublie pas de m'envoyer sur soit sur Discord, soit sur Twitch. Si tu pouvais m'envoyer ton nom, prénom, ton adresse pour que je puisse t'envoyer le pins. Comme du coup, j'y vais demain. Attendez, j'ai vraiment la poisse. On va y aller en volant. Oui, tu as gagné un pins. Je t'ai même envoyé un chuchotement sur Twitch, justement. Attends, je t'envoie un chuchotement sur Twitch. Attends. Ouais, je t'ai envoyé un chuchotement. Je t'ai envoyé un message mardi. T'inquiète, y a pas de problème. Et attendez. Je viens de voir là. Mais ça vous a pas perturbé? Ma caméra, elle est buggée. Donc un truc. Elle était pas au bon format. Bah voilà, c'est peut-être mieux. Moi je dois aller travailler. J'ai pas envie de faire ça. T'inquiète, y a pas de soucis Zelda. Après sache qu'il y aura la rediffusion sur YouTube. Mais en tout cas, bon courage pour le boulot. Bon courage, bon courage. Puis le prochain stream, du coup, nous, ça sera dimanche à 19h30 heure française sur du Sims 4. What? On n'avait jamais été dans le sanctuaire ici. On va récupérer le sanctuaire. En espérant que ce soit pas trop long à faire. Celui qui se relève. Se relève, ok. Bah voyons voir ça. Je vais un peu me... Voilà. Voilà.
Voilà. Pour jouer à Zelda, je pense qu'il faut être tout bien posé. Oh, mais je l'ai fait sur ma partie perso, celui-là. La baballe, elle est là. Donc, pour aller là-bas, faut que je me fasse catapulter. Avec celui-là. Et c'est le même principe. Alors, le problème, c'est que je suis un peu teuteux. Il va tomber vers l'avant. Hop là. Hey, coucou petit poney, je suis en vacances. Le réseau... T'inquiète, il n'y a pas de souci. Je suis en vacances, le réseau n'est pas très bon. Je viens de faire un petit coucou car je pense que je vais me faire quitter à tout. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, pas de problème, pas de problème. Hop, profite bien de tes vacances en tout cas, c'est très gentil à toi de passer. Mais profite de tes vacances. Hop là, comme ça, ça c'est fait. Moi j'ai juste normalement à faire. Hop, non, pas ça. Pas ici. Voilà, la petite boubou là devrait pas tarder à tomber. Là. Voilà, c'est fait. Merci. Comme ça, tout à l'heure, je mets les arrêts sur toutes les lettres. Alors, attendez. Il faut que je me fasse projeter là-bas. On peut l'enlever ça. Je pense qu'il faut construire un truc assez haut. Dans mes souvenirs, je crois que j'avais construit un truc très haut. Qui du coup m'avait permis de pouvoir prendre ma paravoile et sauter par-dessus. Excusez-moi. Voilà. Oh, je pensais pouvoir y arriver. Voilà. Puis-je savoir ce qui a gagné tous les speeches c'est pas ton essai. Alors là, maintenant, il n'y a plus. Mais en fait, toute cette semaine... j'ai fait remporter des pins de la TwitchCon. Voilà. Des petits pins de la TwitchCon. Malheureusement, il n'y en a plus, parce que j'ai fait gagner les 5. Donc voilà. Parfois, je me dis que c'est un jeu... Voilà.
Je vais mettre les miens sur la blouse d'hôpital. Hop. Bah, Sandal, tu veux... Là, il y a les petites pochettes. Est-ce que tu veux qu'on l'ouvre ensemble ou en stream, ou est-ce que tu veux l'ouvrir chez toi, tranquille? Ouais, c'est cool. Ouvrir chez toi ou ouvrir maintenant? Et coucou, Dev, comment tu vas? Ouais, c'est donc... oui, mais donc, qui les a gagnés, si tu as les noms en tête? Alors, j'ai... Alors, attends. Il y a Sandal, du coup, qu'on a rapporté un. Lucifred, Chouki. Fio Fio et Miss Véronica. Voilà. Maintenant, ok, bon bah maintenant. Le tien, c'est celui-ci. Et alors, vous savez quoi? On va se mettre en plein écran. En plein écran, juste pour ouvrir. Donc. Je vais avoir un de ceux-là. Merci pour le follow, merci beaucoup. Et à toi, bah écoute, ça va. Attends, regarde juste. Vous allez le voir du coup avant moi. Direct. Et coucou le grand Kourougou, comment tu vas? Ah, tu auras, ah bah, comme Miss Véronica, une petite aile. Regarde. En fait, normalement, elles vont par paire. Bon, t'as aussi celle qui va de l'autre côté. Une petite aile arc-en-ciel avec des paillettes. Elle est trop mimi. Voilà. Pas trop stylé. Trop stylé. Ouais, il est, c'est un des pins les plus jolis, je trouve. Hop. Attendez, ma soeur, vous savez que j'étais en train de dire tout à l'heure que ma soeur m'avait envoyé des vocaux parce qu'elle regardait Miraculous. Dites-vous qu'elle vient de m'envoyer un message. Elle dit qu'elle est là, mon dieu, non, mais c'est pas possible. Ma soeur, elle vit Miraculous là. Je vais bien afficher. Pas de soucis. Bah, cuisine. Bon, bonne cuisine à toi. Hop, on revient du coup sur le jeu. Hop là, Switch. Hop, on va aller voir les ruines, là, je sais pas quoi. Bon, bah, trop bien s'il te plaît, le pins. De toute façon, je vous envoie tout demain, normalement. Là, tout à l'heure, après le stream, je vais préparer toutes les enveloppes, machin. Attendez, je crois que je suis passé devant bêtement. Ouh, bonjour vous. Tiens, Link, tu es venu. Ouais, c'est qui déjà? C'est vraiment incroyable. C'est moi, Liseron, l'archéologue spécialisé en Irulien ancien que tu as rencontré à Fort Huguet. Qu'est-ce qui t'intrigue? C'est une reproduction de la stèle qui est tombée au Forguet. J'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents en irulien ancien que j'avais entreposés ici au laboratoire. Et voilà ce que cela donne. Si je me souviens bien, tu ne stream pas demain. C'est ça. Mais après demain, c'est ça. Le prochain stream, c'est dimanche 19h30 pour du gameplay Sims 4. C'est assez rare, mais gameplay Sims 4 sur le pack V-Orange. Ça, ça donne. Moi suivante du roi Raoru et de la reine Sonia à l'origine, mais qui sert aussi à la sœur aînée du roi et dame Zelda. Souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Ce n'est qu'un court passage, mais on y relève les noms de Raoru, de Sonia, des fondateurs du royaume d'Hyrule. Mais également de ces personnes nommées Zelda. Cette suivante indique à la fin qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13 récits distincts. Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour qu'une suivante aurait rédigé et laissé à la postérité. Le plus cependant, c'est que ce troisième nom, Zelda, il n'y a aucune mention dans les écrits que nous avions trouvés jusqu'ici.
Il aurait donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda à l'époque de la fondation du royaume d'Hyrule. Non mais on sait déjà que c'était à Zelda du présent qui était dans le passé. Et coucou Vabessa, comment tu vas? Je pense que notre interne va essayer de me le piquer. C'est une collectionneuse de pins, elle en a des super stylés. Ah bah là, celui-là, en plus, il était exclusif à la TwitchCon de Paris, pour l'instant. Hop. Ce texte est une véritable épopée d'Hyrule. Tiens, d'ailleurs, la rédactrice de ces inscriptions mentionne 13 stèles. Cela veut dire qu'en plus de celle-ci, il y en existe... j'y arrive pas, hein. Il y a 12 stèles Sonao à retrouver. Bah, en fait, c'est ça, en fait. Tu vois, le Merci Wing, c'est exactement ça, l'emote. Enfin, le badge. Nous pourrions en apprendre beaucoup sur les événements à l'époque dont l'histoire n'a pas... j'y arrive pas, là, Mister C. Bref, comme quoi, il n'y a pas gardé de l'histoire. Tout ce qui leur est arrivé à tous, du roi Rauru à la reine Sonia, en passant par cette Zelda qui nous intéresse tant. 12 autres stèles à découvrir, c'est absolument fascinant. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer? Bien sûr, je saurais te récompenser comme il se doit. Ah ah! Prenez en photo les stèles et montrez... Ok. Ça t'intéresse l'inscription que tu as trouvée à Forget. Ok. Ok, alors les stèles, elles sont pas très compliquées à trouver parce que en réalité, à chaque fois, c'est des trucs dans les airs qui ressemblent à des espèces de rosaces. J'ai trouvé. On va faire du tourisme. Voilà, c'est ça. Regardez. Par exemple, ça, hop là, ça c'est une stèle. Ça, c'en est une aussi. Elles sont pas trop dures à... Enfin, on les reconnaît de loin. Ouais, il y en a une ici, par exemple. Il y en a une autre, là. Vous voyez? Ouais, je pense qu'on peut en... On peut peut-être en choper une ou deux, là. On en a une ici aussi. Laquelle, là, est la plus proche? Bah, c'est celle-ci. Mais on va aller dans celle-là. Ah, mais c'est peut-être celle qui est dans Fort Oguet, celle-là. Bon, on va faire du tourisme. J'ai juste un petit truc sur mes réseaux sociaux. Excusez-moi. Voilà. C'est... Et coucou, Mr Beast. bonsoir à toi. Bon, je ne pense pas que tu sois le vrai Mr Beast. Mais ravi de te voir quand même. Hop. Alors, faut contrôler ce truc. Donc, tu as raison. Hop. Faut qu'on arrive à trouver l'espèce de stèle. Où est-ce qu'elle peut être? Elle doit être là-bas. Attendez. On voit pas des masses. Tu as fait les Gorons? Ouais, on a fait les 4 temples déjà. Là, on fait des missions secondaires. Avant d'aller dans le château. Ah, elle est là-bas, regardez. Ah, j'ai oublié de mettre ma tenue. Voilà. Hop. Il manque la robot. Ok. Bah nous là, il nous manque encore des trucs à faire, hein, mais c'est juste que là, on a décidé de faire quelques petites quêtes secondaires, histoire d'en apprendre un peu plus sur l'histoire. Ah, mais celle-ci, on l'a déjà fait tomber, je crois. Ouais, regardez, elle est tombée. En fait, quand on marche sur la stèle,
Ça fait tomber la... Bah, ça l'a fait tomber. On va aller la récup. Ah ouais, elle est tombée dans le trou en plus. Je pense, hein. On regarde juste dans les alentours, mais... Ouais, si, je me souviens de celle-là. J'essaie de trouver. Moi aussi, on l'a trouvé. Regardez, la stèle est là. Hop là. On l'a... Je l'ai trouvé par hasard en plus. Examiné. Inscription rédigée, vous ne pouvez pas la déchiffrer. Je peux pas la déchiffrer, mais je peux la prendre en photo. Yes. Bon, je l'ai enregistré deux fois, mais... Ok, ça, c'est fait. Alors, celle-ci, pour marquer qu'on l'a déjà prise, on va mettre une tête de mort. Voilà. Ici, vous voyez, il y en a une autre, là. On va peut-être se téléporter. Bien, j'ai vu... Je sais pas combien j'en ai, moi. J'en ai peut-être... Non, je sais même pas. Pour le coup, j'ai pas regardé. Parce que j'ai fini le jeu, ok. Alors nous, on l'a pas encore fini, mais... En mon temps, après, je suis pas un fan de la primeur de Zelda. Vraiment, je découvre un peu plus l'univers avec ce jeu-là. Alors, il y a où le... Par là-bas. Ah, allez là-haut, faut que je remonte. Et mon personnage est en train de mourir de froid. Ah, il a encore froid. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner à manger. Hop là, il manque un Korogu. Je finis à 100%. Oh, GG. Oh, ouais, j'avoue, les Korogu, déjà dans le premier jeu, j'avais eu la flemme de les faire. Bah, dans celui-là, encore plus. Korogu, les Korogu, c'est la pire invention ever qu'ils aient fait dans le jeu. Allez, la petite... Oh, je les maltraite. Je les ai un peu maltraités aussi. Mais on a quelqu'un dans le chat qui aime pas quand on les maltraite. Tout à l'heure, on en a sauvé un. Hein. Mine de rien. Je l'ai fait cuire à l'approche. Mais il me semblait, attendez, il me semblait qu'on pouvait les faire tomber ces trucs-là. Ouais, il me semblait que quand on tombait dessus, ça la décrochait, ça la faisait tomber au sol. Mais putain, j'ai pas de chance. Donc il tombe comme un piqué dessus. Ok, bon, au moins, on a chopé ça. Vous croyez qu'on peut tricher, aller au centre du... Ouais, j'ai joué au premier Zelda, enfin au Zelda Breath of the Wild, et moi, j'avais pas trop aimé. Ouais, je suis sûr qu'il y a une sécurité que je vais pas pouvoir aller dessus.
Hop là. Ouais, j'ai fait la nouvelle mise à jour, je ne sais pas ce qu'à la porte, mais ouais, je l'ai faite. Ouf. J'avais pas vu qu'il y avait une grille. Pourquoi dommage, j'aurais pas dû la faire. Un glitch. Oh, tu sais, c'est pas grave, hein. Ça. Deuxième jour de recherche. J'ai pas trop ce que je fous là, mais. Alors, mon but c'était d'aller ici, visiblement, mais bon. Je sais pas trop ce que je fous là. Grâce à ça, j'ai dupliqué le bouclier d'Ilia. Je l'avais 4 fois. Oh non, il y a les mains. Ah non, 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 non. Ah, je refuse. Je l'ai déjà battu une fois, je ne les battrai pas deux fois. Je pense qu'on va très vite fuir ce truc. Ok. De toute façon. Oh, il y a une lune de sang. Génial. Débile, moi, en plus. Je tombe bêtement. Tintin. Bon, c'est un peu con, je peux pas descendre. Bon, on va attendre que ça nous fasse tout son leur speech là. Voilà. Oh, lune, couleur du sang. La lune de sang, elle sert uniquement à refresh la map. Hein. C'est pour ça qu'elle est là. Hein. Ça fait quoi si je saute là? Ah oui, mais le problème, c'est que j'ai pas de truc de feu, là. Je reviens... je viens de finir mon miam de demain. Oh, tu t'es préparé quoi à manger? Oh, un petit champignon. Alors, bon, flemme de checker. Et re-Shioko. Alors, voyons, oui. Ici, on en a un. Et je pense qu'on va être trop loin. Alors, si je passe là-bas. J'avais kill une lune argentée. Il est réapparu. Mais ça, de toute manière, Linel. Ouais, à chaque fois. En fait, la lune de sang, en fait, c'est juste qu'elle te reset toute la map. Donc, c'est juste pour éviter les glitches. Enfin, les pertes de FPS et les soucis comme ça. Ça sert uniquement à ça, la lune de sang. Voilà, faut que j'aille. Ah oui, c'est par là. Alors, faut que j'arrive à trouver le petit machin, là. D'ailleurs, attendez, je crois que j'ai oublié de dire que je l'avais chopé. Tu joues sur Switch ou PC? Ah, je joue sur Switch. On évite de déconner avec Nintendo sur le craquage et le téléchargement. Ah, ça, j'ai vu la. Elle est là-bas.
Oh, il y a un temple là-haut. Alors, il est un peu froid le copain Link, mais c'est pas grave. Oh, il y a une tête, il y a un dragon à trois têtes là. J'ai pas le stuff, clairement j'ai pas le stuff. Hop, ça c'est sauvegardé. Du coup, hop. On va peut-être aller voir. Attendez, elle est où là? Ah oui, non, je suis un peu loin du coup. Il y a des îles à côté de moi normalement. Non, je joue pas à Fortnite. Désolé. Moi, bon, j'ai joué qu'une fois à Fortnite, j'ai fait top 2. Et Roblox non plus. Désolé. Moi je suis très chill, hein. je joue à Zelda, je joue à Pokémon, je joue aux Sims, je joue à Disney Dreamlight Valley. Pour nous c'est très très posé comme stream ce qu'on fait. Attendez, on va revoir le monsieur là-bas. Là. Après, ce que je vous propose, là, c'est qu'on va aller voir le monsieur et après, on va essayer de retenter. Bien, retenter. Tu fais comment pour te suivre? Normalement, tu peux cliquer normalement, sur le petit... Je crois que c'est le cœur, je crois, sur Twitch. C'est le... pour follow la chaîne. Tu peux t'abonner de manière payante ou de manière gratuite? De manière gratuite, il faut cliquer sur le petit cœur. Là. Oui. Si l'on croit les stèles que nous avons trouvées à Faruga, il reste doux. Oh. Bien sûr. Regarde ça. Il y en a une. Veux-tu bien me le montrer? J'en ai même deux, trois. Oh, oh, oh. Mais c'est une épopée historique d'Hyrule. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que cela donne. Le roi Rauru, malgré son courage et sa sagesse incroyable, délaissant parfois les affaires royales pour aller chasser. Merci, Mr. Beast, pour le follow. Merci beaucoup. C'est souvent Dame Sonia qui, avec sa grande sagacité, s'en apercevait et venait alors le rappeler à ses devoirs. Capable de percer à jour les actions du roi Rauru, elle le jaugeait avec majesté et le roi fautif avait l'air d'un humble sujet. Il était touchant de le voir ainsi souriant d'un air gêné sous le regard de sa reine qui le réprimandait en souriant ainsi. Je te dis merci beaucoup. C'est ce qui est écrit parfaitement incroyable. Visiblement, le roi Rauru, il arrivait au roi Rauru de négliger parfois ses affaires à la cour, de la cour, j'avais, pour partir à la chasse. Alors, par contre, non, Mr. Beast, c'est gentil, mais je n'ai pas le temps d'aller voir les gens. Et puis voilà. Déjà, je n'ai pas le temps d'aller voir les copains. Voilà. Puis on évite de faire son auto-pub sur les streams, c'est un petit peu mal vu. Moi, comme je dis, je m'en fiche un peu. Et attention, parce que d'autres streamers pourraient te bannir pour ça.
Je me l'imaginais comme un souverain sérieux et strict, mais on dirait qu'en fait, il lui arrivait aussi de chercher à s'amuser. Et c'est la reine Sonia qui faisait preuve d'autorité pour retenir le roi Rauru et le rappeler à ses obligations. Je pense que cela a parfois dû faire plus ou moins scandale. T'inquiète, il n'y a pas de souci, c'est juste que je te donne les petits codes un peu de Twitch. Hop. Et tout cela est écrit avec humour et bienveillance. Ces personnages historiques avaient l'air de mener une vie bien plus libre qu'on ne l'imaginait pour une famille royale. Il faut croire que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé à l'époque. Quel récit très intéressant. Hop. Oh, de rien. De rien, de rien, de rien. Et voilà, encore un document très précieux. Comme promis, voici ta récompense. Moi, je veux bien de la thune. Hein. Moi, je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule. J'en ai des frissons. Si on en croit les stèles que nous avons trouvées à Ophoragé, il en reste encore 11. Tiens, j'en ai encore une autre. Enfin bon, si c'est pour dire que le roi Rauru, il a fait une raclette avec Zelda et Dame Trucmuche, là. Des armures. Ah oui, alors moi, pas du tout. Ça fait aucun doute, machin. Seul texte. Un soir où le roi rentrait tard, Dame Sonia me conta l'histoire des sanctuaires nimbés de lumière verte. Pendant un temps, après la fondation du royaume d'Hyrule, il apparaissait souvent des monstres aux quatre coins du pays. Inquiet de cette menace constante sur la vie des gens, le roi et la reine partirent en campagne pour les éliminer. Grâce au pouvoir de la lumière et du temps, ils parvinrent à conjurer le danger. Pour qu'ils ne réapparaissent pas, ils bâtirent des sanctuaires où sceller le mal, des sanctuaires purificateurs. Je remercie encore leur majesté pour les efforts accomplis quand j'étais enfant. Ainsi, nous vivons en paix aujourd'hui. Tout ce qui est écrit. Ce passage nous décrit les actions du roi Rauru et de la reine Sonia peu après la fondation du royaume d'Hyrule. Vu la sécurité de la population, ils auraient mené une campagne pour éliminer eux-mêmes les monstres du pays. Pour que ceux-ci ne réapparaissent pas, ils édifiaient des lieux appelés sanctuaires purificateurs où ils scellaient le mal. Ce texte évoque également les pouvoirs de la lumière et du temps. Ils avaient tous les deux des pouvoirs spéciaux. C'est un fait historique et nous tous qui vivons aujourd'hui devrions leur être reconnaissants. Qui fait d'infinis dégâts. Ah ouais, je ne savais même pas que ça existait. Encore une découverte capitale. Tiens, accepte ceci avec tous mes remerciements. Bois des sous-sous, bois des sous-sous. Je pense que quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule, j'en ai des frissons. Si l'on croit la stèle que nous avons trouvée à Forgaway, ça ok. Tiens, j'en ai encore une autre. Ah ouais, moi j'évite les glitches. Traduire ça. Si je traduis le texte, voilà. Dans les brefs laps de temps depuis sa création, le royaume d'Hyrule a déjà eu à surmonter de multiples épreuves. La sœur aînée du roi Rauru, Dame Nimeru, a dit qu'il ne faut pas laisser cela se reproduire dans un avenir lointain. D'après Dame Zelda, cet avenir est d'ores et déjà écrit. Un héros porteur d'espoir apparaîtra dans les cieux. Dame Zelda a prévu ce qu'il faut pour l'assister. Avec l'aide de Dame Nimeru. Mais pas pareil. Ah, désolé. Elle a donné l'ordre de faire flotter le temple du temps dans le ciel afin de le protéger des influences maléfiques. Cette mesure devrait contribuer à sauver le royaume dans l'avenir. J'ai demandé à Dame Nimeru de faire en sorte que les stèles que j'avais gravées soient aussi en sécurité dans les cieux. Même incomplets, ces témoignages sur la famille royale qui a fondé ce royaume pourraient s'avérer utiles à la postérité. La posteriori, pardon. Je vais arriver. Alors, la sœur aînée du roi Rauru s'appelait Nimeru. Voilà ce qui est fantastique. Je n'en saisis pas tous les détails, mais les prédictions de Nimeru et Zelda ont été prises au sérieux par la servante. Ou la suivante. Elle aura apporté son soutien et aurait demandé à Nimeru un moyen de faire flotter dans le ciel des stèles de pierre. Ce sont des stèles que tu as retrouvées, Link. C'est un véritable... Ouais, c'est... En fait, le truc que je trouve un peu relou dans dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, il y a énormément d'informations qui se recroisent, qu'on sait déjà. Genre, on sait qu'elle s'appelle Nimeru parce qu'on a vu les souvenirs dans les larmes de dragon. Et en fait, c'est super chiant parce qu'on nous répète 12 000 fois la même chose. Et on l'a compris, les gars. Genre, truc tout bête.
On fait le temple du temps. On nous dit pourquoi du comment le temple du temps est en hauteur. Et là, on nous re-répète la même chose. Genre, quel était l'intérêt de faire une quête avec le temple du temps si... Parce que l'information qu'on apprend, littéralement, on l'apprend dans une quête secondaire. Genre, ça ne servait à rien. Bien, c'est la masse sur les informations qui dévoile les pensées et les projets des gens de l'époque si lointaine. Non, mais qui sait déjà depuis les temps très reculés, elles l'ont fait s'élever dans les airs pour aider un certain héros. C'est moi. Toutes ces nouvelles données m'ont tellement bouleversé, j'en tremble encore. Ok. Bah ouais, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que ça... Et on a compris, quoi. Faut que je pousse trois choses. Ah, ok. Ah, il les affiche dans son labo. C'est cool. Vous devez t'avoir fait attendre. Je les ai recopiés. Je les ai accrochés au mur du laboratoire. Reviens les voir quand tu veux. Ok, je peux re-relire les trucs. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. En vrai, c'est cool. Ça nous apprend à apprendre des... Enfin, on apprend des choses sur l'histoire. Mais bon. Ok. Alors, je sais qu'il faut jamais attaquer les poulets dans Zelda. Où on risque la mort assez rapidement. Bah, je suis pas assez stuff pour le boss final. Hein. Oh, il y a un Korogu, je l'entends. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Il y a quoi ici? Oh, flemme de lire. Les poulets sont méchants. Ouais, ils sont méchants, les poulets. Quand tu tapes une poule, il y a 12 000 poules qui tombent dessus et elles te tuent. Ah non, mais en termes de stuff, j'ai que dalle. Hein. Genre, en termes d'arc, j'en ai deux. Voilà, j'ai ça. En termes d'épée, bon, j'ai l'épée de légende et j'ai ça. Donc, je vais pas aller bien loin. Et armure, j'ai rien. Après, je crois que je peux pas les buter. Celles-là, elles sont dans le village. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon, je m'en vais. J'ai bugué l'animation, je crois. Bonjour, vous. Donc ouais, non, quand je dis que j'ai pas de stuff, hein. Elles sont vénères. Ouais, elles étaient pas très contentes. Hein. Elles ont voulu me becter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'aimerais bien aller ici, là. Alors, attendez. S'il y a une tour. Je vais aller manger, je reviens. Pas de soucis. Bah écoute, bon appétit à toi et à tout à l'heure. Sinon, je vais couper le stream d'ici une heure, je pense. Après, comme ça, je pourrais me faire à manger tranquillement. Merde, à toutes. Après, je me fais à manger. Je regarde Demon Slayer. De toute façon, j'ai pas de série à regarder, je crois. Parce qu'il y a... Ah, attendez, si, il y a peut-être un truc qui est sorti aujourd'hui. Regardez. Non, série. À voir. Secret Invasion, je l'ai vu. Ah, j'ai School of Pirates, j'ai un épisode à regarder. Ah, j'ai pas grand chose. Hein. Ouais. Je me rends compte que j'ai presque plus aucune série à regarder. Avant, j'étais à 3 voire 4 épisodes de série par semaine. Et encore, le plus du plus que j'ai fait, je crois que c'était 8 épisodes par semaine de série. Ça, c'était vraiment le plus haut que j'ai dû faire. Là, en ce moment, c'est le calme plat, quoi.
Allez. What the... Il s'est passé quoi, là? Ouais, d'accord qu'il y a eu une animation trop bizarre. Déjà, on va manger un plat qui... Ou remettre mes vêtements. Ça fonctionne pas. Très bien. Il me semble qu'il y a un endroit pour améliorer nos vêtements. Et j'ai fait un truc contre le froid. Pourquoi ça marche pas? Ah, j'aime pas. Ok, je viens de comprendre. Et quand on... Okay. On est à moitié soumis à l'apesanteur. J'aime pas du tout cette sensation. J'en étais sûr. Oui! Oh là là, ça... Je suis peur, je... J'ai vu que ça tombait vraiment dans les profondeurs. Voilà. Yes. Ça c'est fait. On l'avait pas vu. On va la marquer ici. Ok. Ça c'est fait. Là, il y en a une autre, je pense. L'archipel de Céleste d'Hyrule Sud. On l'a pas faite, celle-là. Est-ce qu'il y a une tour, quelque part, qui me permet d'y accéder? Ah, je pense que c'est celle-là. Pour l'instant, comme je me suis pas stuff, je me stufferai vraiment. Si j'ai le temps, je le ferai ce week-end. Comme ça, la semaine prochaine, peut-être qu'on essaiera d'aller battre... les choses qu'il y a à battre dans le château d'Hyrule. Et je pense que je suis clairement pas assez stuff. Hop. Oh. Est-ce que vous êtes toujours là, les gens, dans le chat? Ah si, j'ai eu une déconnexion du chat trop bizarre. Envie, ok. Non, parce que j'ai eu... ça m'a mis, vous avez été déconnecté du chat. Ça m'a... Un petit peu trigger. Bon, si tu es en vie, c'est bien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par ici? Hop là. Ça sent le Korogu. Voilà. Yes, je reviens de refaire mon pansement au doigt, ça cicatrise bien. Parce que attends, quoi, qu'est-ce que t'as fait encore? Je crois que je suis pas au courant. Qu'est-ce que t'as fait à ton doigt? Le machin, il m'a envoyé un missile, là. Parce que, bon, la Modo Shiyoko, elle m'engueule quand je mange pas. Mais elle se blesse tout le temps, là, madame, là.
Je ne demandais pas aller aussi haut. Oh là, monter vachement haut. Là-bas, c'est... Ouais, ça, c'est OK, c'est là-bas. Mais, ah oui, c'est vrai, pardon. Pardon, pardon, je croyais que tu t'étais coupé ou un truc comme ça. Mais oui, c'est vrai. Je croyais que c'était autre chose encore. Pour ça. Hop là. Moi, je vais me faire des petites pâtes carbo ce soir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait pâtes carbo. Ça fait 3 semaines. Hop là. Non, non, rien de nouveau. Ah, tu sais, avec toi, Shyoko, on sait jamais, hein. Hop. Donc, on va récupérer les énergies, machin. Là, sont... Alors. Là. Moi, je peux pas en prendre. J'ai fait riz, escalope, sauce curry et demain à midi au tableau. Moi je sais pas ce que je vais me faire à manger demain, mais. Je vais peut-être me refaire des onigiri demain. On a débloqué la roulette. Alors dans la logique, il y a toujours un temple qui se balade par ici. Ah bah bingo, regardez, il est là-bas. Yes. Si. Alors, on va aller là-bas pour aller débloquer le point de téléportation. Perfect. Attendez, je réponds juste à un petit message. Voilà. Mon médecin m'a dit qu'à la suite d'une dépression, c'est très souvent que le corps lâche. Et plein de conneries arrivent, comme mon entorse, mon kyste au doigt. Oui, bah oui, bah c'est souvent ça, parce que quand le moral lâche, après c'est le corps qui lâche derrière. Mais oui, mais enfin, ton médecin a raison. Voilà, moi je voulais juste faire ça. Il y a un coffre là. Ça me donne le vertige rien que de le voir. Et tomber aussi avec ce arbre. Ah, attendez, je pense qu'on va faire un petit truc rigolo. Techniquement, si on fait ça, le coffre, bah voilà. Une vieille carte. Ah, ça me permet de mettre un coffre. Ok, là-bas. Très bien, il y a un truc là-haut. Donc, on va aller là. On va aller récupérer la pierre. Il va falloir mettre dans, au niveau du temple. En vrai, celui-là, il aurait été plutôt simple, je trouve. D'habitude, c'est super chiant pour donner les pierres au niveau des temples, mais là... Enfin, temples, des sanctuaires. Là, en vrai, c'est plutôt simple. Et pas trop, trop compliqué.
Et qui est-ce qui m'envoie un message? Hop, voilà. On passe la cinématique pour son. Avec un peu de chance, ça va être un point gratuit, ça. J'espère. Ouais, ça a l'air d'être un truc gratos. Et je t'inquiétais pas de soucis. Bah, écoute, merci à toi d'être passé. Repose-toi bien, bon week-end et à la prochaine. Si tu veux, le prochain stream, c'est 19h30 dimanche. On sera sur du Sims 4. Voilà. Oh, diamant, parfait. J'aime bien ces petits sanctuaires où il n'y a rien à faire. Voilà. D'accord, on commence à avoir beaucoup de cœur quand même. De rien. Au moins, c'est bien, comme ça, on pourra se téléporter là-haut. C'est parfait. On va récupérer les petits. Si. Ça aussi. Là, j'ai tendance à négliger à chaque fois les graines, les trucs comme ça. Vraiment que je pense à les récup. Et ça aussi. Ça, on va choper ça. Voilà. Faudrait qu'on aille dans une mine aussi pour aller acheter les... agrandir encore une fois nos batteries. Je vais pas te poser une question sur les Sims. Ouais, vas-y, vas-y, MB, t'as pas de soucis. Dis-moi. Oh, d'ailleurs, pour ceux qui jouent aux Sims, si jamais... parce que je sais qu'il y a... Hier, on m'a dit qu'il y avait un bug sur... la création des chevaux, que les gens n'arrivaient pas à changer la couleur des crinières des chevaux. Sachez que c'est à cause du mode qui rajoute des colonnes. Enlevez le mode qui rajoute des colonnes dans le créer un Sims et vous allez voir que ça refonctionne. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué et je ne sais plus comment on monte les objets. J'appuie sur la touche... Attends. Arrobase de ton clavier normalement. Normalement, c'est ça. Là. On est bon. On a un vilain pas beau là-bas. Hein. Ouais. Ah la vache! Ah oui, bah en fait, je peux pas y accéder. Ah. Ok. Oui, on va voir. Ah, attendez, il y a peut-être un truc à jouer, là. Ici, on voit qu'il y a un trou. Est-ce qu'on pourrait pas y aller? Non, il n'y a pas de passage. Voilà. Ah bah non. Ok. Je regarde parce que des fois, on pourrait y accéder par la surface. Genre, par exemple, ce trou-là, on n'est jamais tombé dedans. Peut-être intéressant d'y aller. Celui-là, vous voyez, on l'a déjà pris parce qu'on voit, il y a le petit vortex. Bon, ça marche pas. Ah, attends, c'est pas cette touche-là? Fermeture de parenthèse, alors? Je sais plus que c'est quelle touche. En fait, c'est que je suis tellement habitué à le faire en jeu. Faut que tu aies le move object d'activer. Sinon, ça marche pas, par contre. T'as pas le move object d'activer, ça marchera pas. Voilà, par contre, vous voyez ici. Là.
What the fuck? Comment j'ai réussi à aller ici? Ici, on peut y aller que par la surface. C'est obligé. C'est ma foi fort. Oui, on va aller là-bas. La touche s'est dit en fait. Pardon, bah c'était la touche à gauche. Voilà, je savais plus quelle. C'était une de ces trois touches. Excuse-moi. Je suis tellement habitué en fait à pas regarder mes touches que je savais plus. Oh, il y a un Kurogu là. Ok, ah si, je l'ai déjà sauvé. Donc techniquement, il doit y avoir un passage pour aller dans l'eau. Enfin, c'est pas possible. Pour aller ici, c'est obligé, il doit y avoir un passage. Merci quand même, désolé. Je n'ai pas été d'une grande utilité cette fois-ci. Enfin, je t'ai indiqué à peu près où était la touche. Juste que je n'avais plus laquelle. Ça m'étonne là, ici, quand même. Hein. On va se retaper là-bas. Pas vu tout ça, là, c'est pas... Hop. Excusez-moi, je regarde juste, j'ai juste des commentaires TikTok. Ok. C'est ce que je voulais voir. Alors. Et si on est au niveau du village Piaf. Et ça m'étonne qu'on n'ait pas un accès. Je suis sûr qu'on a un accès par an. Il doit y avoir un accès quelque part ici. Faut juste le trouver. Alors, on a la dame pour prier là. Je trouve ça très étrange. On va essayer de monter au sommet de ce truc. Allez, petit, monte. Je ne peux pas donner que quand on va monter tout en haut, il y a un trou pour qu'on plonge. Ah, on ne peut pas aller plus haut ? On peut. Fasse gaffe à la mana. Hop. Enfin, je dis mana, c'est endurance, vous avez compris. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que Johanna, elle est pas là. Que Sinnoh est pas là. Parce que sinon... Elle aurait eu trop le vertige pendant tout le stream. Là, on est un petit peu haut quand même. Encore haut. Oh, c'est super haut. Merde. En plus, surtout si je saute et tombe bêtement comme ça. Oh, j'ai fait une grosse bêtise. Je pense que mon personnage va pas réussir à monter tout en haut. Hop.
Hop là. Ah, regardez, si on va y, on va y arriver, on va y arriver. Oh. Ouf. Eh, c'était un poil de cul près. Par contre, j'ai l'impression que j'ai fait tout ça pour rien. Parce qu'il n'y a pas de trou pour y accéder. Peut-être monter plus haut. Il y a sûrement un Kurogu par contre tout en haut. J'aurais pas fait cette ascension pour rien. Bingo, il y a un Kurogu là-bas. Mais c'était ici qu'il y avait un... Comment on appelle ça? Dans le premier jeu, il y avait un... Un des robots, là. Yes. Ça, c'était prévisible. Yahaha. Merci. Bien. Oh non, le caillou, il est tombé. Le pauvre caillou. Bingo, regardez. Le passage était là. J'avais dit qu'il y aurait un passage pour aller dans les sous-sols. Ah non, peut-être pas. Oh, non. Oh, la tristesse, j'ai cru qu'il y avait un passage. Je vais pleurer. Oh, j'y ai trop cru. What the fuck, c'est quoi ça? Ah, faut peut-être leur faire un toit. Bon, c'est sûrement ça d'ailleurs. J'arrive à le mettre. Faut vraiment que je le mette, je pense, au millimètre près. Voilà. J'ai fait ça pour un gros goût. Mais quelle grosse blague. Ah, moi, je m'attendais à un truc mieux. Oh, tout ça pour un vieux gros goût à la con. Oui, je suis énervé. Je croyais que c'était un passage pour aller en dessous. Ah, voilà. C'est con, parce qu'on aurait coïncidé. Bah ça, vraiment, je sais pas comment on y va. Hein. Encore celui-là, c'est juste que j'ai pas pris encore le palais. Mais là, on peut pas y accéder. Troll du jeu, je vous jure. Bon, le jeu me troll très bien. Je vais aller explorer les souterrains pour la peine. On va faire un peu d'exploser les souterrains, tiens. T'avais encore un petit peu de coca. Demain, faut que je me motive. Demain, lever tôt pour aller à la poste à l'ouverture pour éviter qu'il y ait trop de monde. Parce que Jean-Michel, Martine, Gisèle et Gertrude, qui sont à la retraite et qui ne font rien de leur journée et qui décrètent de venir un samedi matin à la poste, non. Mesdames ou messieurs, vous êtes Patrick, Hervé, Jean-Edouard, etc. Vous êtes à la retraite, faites ça en semaine. À des heures où il n'y a pas trop de gens. Vous sentez la personne qui en a marre. Quand je vais à la poste, c'est qu'il n'y a toujours que des retraités partout, alors j'y vais le samedi. Et comme ils ne savent pas utiliser des trucs, ils mettent 1000 ans. Voilà, c'était le message un peu énervé de Mr. C. Pas du tout dans le bon sens. Bah, je sais pas si vous, ça vous le fait aussi. Enfin, globalement, à chaque fois que je vais à la poste, c'est pour ma pomme. Hein. Genre, il y a trois retraités de vente, on a pour 45 minutes, quoi.
Au 45, j'exagère. Mais une fois, j'ai bien attendu 30 minutes. Hein. On va récupérer les petites bonbons, là. Hop. Faut aller là-bas. Mais comment ça se fait que je l'ai pas chopé? Il doit être à un endroit à la con parce que... Pour pas, que je l'ai... Pour pas l'avoir chopé alors qu'il est juste à côté. Alors, est-ce que tu as une balance dans ta cuisine et une imprimante? J'ai une imprimante et j'ai une balance, oui. T'es en train de me dire que je peux tout faire depuis chez moi? C'est ce que tu vas me dire, là? C'est incroyable ce que tu me dis, là, Shoko. Ah ah. Il y a quand même un truc au milieu là. Ouais. Alors, je suppose qu'il faut le faire sur le site. Je suis un relent super bizarre. De toute façon, je pense qu'on va couper le stream d'ici 10 minutes là, parce que je suis en tourner en rond. Hop, on va passer là. Ouais, je pense qu'on va couper le stream d'ici une dizaine de minutes. Parce qu'on aura quand même streamé combien? 3 heures? C'est pas mal. J'avoue, je commence à avoir un petit mal de tête là. Écoute, ouais. Tu après le stream, j'aurais juste un petit coup de fil vite fait à passer. Juste aller checker si je peux pas aller récupérer un petit des petites racines par là-bas. Quand tu veux. Ah là. J'étais un peu con parce que j'ai pas mis de. J'ai pas mis d'éclairage sur ma moto volante. C'est tellement creepy. Je sais pas du tout où je vais. Oulala. Hop. Hop là. Ça va illuminer un peu la zone. Ah, et pas qu'un peu d'ailleurs. Okay. Ça l'a bien illuminé, ça c'est bien. Parfait. Je sais pas si on débloque quelque chose quand on a exploré toute la map des profondeurs. C'est quand même laborieux. D'ailleurs, en principe, si on explore toute la map des profondeurs, on doit avoir l'accès, enfin les emplacements de chaque sanctuaire. Je m'explique. En fait, à chaque fois qu'il y a une racine dans les sous-sols, c'est qu'il y a un sanctuaire au-dessus. Genre là, si je vais là, là, j'ai pas dû le prendre. Mais par exemple, regardez ici. Hop là, il y a un sanctuaire. Ici, il n'y en a peut-être pas là. Ouais, il doit y en avoir un ici, mais je ne l'ai pas pris.
Là, normalement, si je vais là, je descends. Regardez, hop là, il y en a un. Des trucs comme ça. Là, ici, il y en a un. Et il y en a un ici. D'ailleurs, je ne l'ai même pas pris, mais il y en a un. D'ailleurs, il est tellement... Ah oui, je l'ai même pas vu celui-là. Le gros crapaud tout moche. Ouh là 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 là. On s'enfuit. Ah merde, faut monter. Je peux jamais avoir assez d'énergie. On va essayer de se poser. Non. J'ai vraiment pas de chance. Voilà. Viens à toi. Au moins, ça ne l'a pas cassé. Parce que des fois, quand ça tombe de trop haut, ça pète la moto. Oh là, je crois que ma sœur est au dernier épisode de la saison 5. De Miraculous, vu ce qu'elle est en train de m'écrire. Quoique, non, peut-être pas. Alors. J'ai un peu peur de... pas encore y arriver. Ah, mais en fait, on était vraiment au fin fond d'un cratère là. Attendez, vous êtes en train de me dire que je suis monté pour au final redescendre. Et quel est ce maléfice? D'ailleurs, attendez, on va lui jeter ça. Voilà. Là, on y verra plus clair. Oui. Ah ouais, littéralement, c'était monté pour redescendre. Alors, à la surface, on a un sanctuaire qui est là. Ah, celui-là, on l'a déjà chopé. On a un là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici, obligatoirement. Celui-là, on l'a. Ah, ici, il y en a un aussi, normalement. Et il y en a un là. Si on suit la logique. Ouais, c'est ça. Oh, c'est quoi ça là-bas? Un truc qui est éclairé comme ça, ce n'est pas normal. Ah, sauf si en fait j'y suis déjà allé moi-même. Ah non, c'est qu'il y a des ennemis. Ok. Par contre, je constate là-bas qu'il y a une petite racine. Attends que ça remonte en énergie. Allez hop, on y croit. Oh. Par contre, ici, dans les souterrains, en fait, on peut rebattre les boss des différents temples. Regardez, là, il y a l'espèce de requin pas très très gentil du premier boss qu'on avait fait. C'est du temple de l'eau, si je me souviens bien.
J'ai trop. Eh, hey, faut pas faire des bruits comme ça le jeu. Hein. Moi, je veux juste me balader et aller récolter des les racines géantes là. Hein. Je te demande rien d'autre. Je suis pacifiste. Je ne veux pas me battre. Voilà. Allume ma moto là. Parfait. Go go Power Ranger, allez hop là. Alors en principe j'en ai une là et j'en ai une autre là-bas. Peut-être aller à celle d'en face. Je crois qu'elle va être relou à avoir celle-là. Alors, elle devrait être en face, on devrait la voir. Alors, soit elle est cachée derrière quelque chose. Ou alors, ah bah. Elle est juste là. Elle était en effet cachée. Oh la grosse blague. Ah la grosse blague, non. Regardez, il m'en manque. En fait. Oh. Ah ouais, alors là, pour y accéder, ici. Ah, bah c'est qu'ici, il y a un sanctuaire que j'ai pas pris. Je peux pas y aller ici. C'est le truc qui est sous le château d'Hyrule. Ok. Et là, c'est pareil. Bingo. Ok, bah écoute, on va faire de demi-tour. Où est mon carrosse? Puis après, on va se laisser, je pense. Bah, il est où? Ah. Et l'idée d'avoir fait la... comme ça, vert, on les voit jamais après. Je suis con ou ça se passe? Et par là-bas, ça tombe bien. Hop là, on part sur la gauche. Regardez, on aura presque débloqué tous les souterrains en vrai. Hein. Il nous manque plus grand-chose. Il nous en manque un là-bas. Il nous en manque ici. Il nous en manque, bon, il nous en manque un là, un là. Il nous en manque quelques-uns, mais ça va. On sait pas les pires. Alors ça va être plutôt par là-bas. Je vais me poser quelques instants parce qu'à mon avis. On va avoir assez de carburant. C'est vrai que les batteries, elles mettent 1000 ans à se recharger, mais alors elles se déchargent en 2 secondes. J'ai fait peur à la petite libellule. Alors, ça devrait être par ici. Un peu sur... Ah bah, regardez. Juste en face. Fallait juste demander. Ouh là là, le gros babot. Il y a un gros crapaud.
Alors, bon, on récupère cette petite racine et après je pense qu'on va se laisser. Oula. Ça a fait disparaître ma moto. Et bien, très bien, comme ça, on a débloqué tout ici. Attendez, on n'a pas tout débloqué. Comment ça, ici, il y a un trou, là? Non, mais... On récupère celui-là et on se laisse. On va y arriver. Aïe. Ah, Link a été décapité. Voilà. Et puis je sais pas c'est qui je vais vous envoyer après. Je vais regarder. Je crois qu'il y a la copine Sissou qui stream exceptionnellement ce soir. Oh là là. Pour ma crânia pour encore une fois pour notre ami Link. La copine Sissou. Elle stream. J'ai un doute. Bah oui, il y a la copine Sissou, on vous envoie là-bas après. Allez hop 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 hop. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bah écoutez. Je pense qu'on va, on va se laisser du coup là-dessus. Je vais faire un petit coup de sauvegarde manuel. On aura un petit peu avancé aujourd'hui. C'est juste histoire de se remettre dans le bain. Parce que ça faisait quand même un mois que j'avais pas joué. En tout cas, j'ai bien apprécié d'être avec vous aujourd'hui. Hop. C'est bon. Du coup, on se met un petit blabla. Eh bien écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir été là ce soir. Ça m'a fait très très plaisir de passer l'après-midi avec vous. Pour ce retour de, qu'on s'appelle, de la Breath of the Wild. J'aime bien ce petit live sur Zelda, on est un petit peu moins nombreux. On est un petit peu moins nombreux que par rapport aux Sims. Et du coup, on peut plus se poser, on discute un peu de tout. Et moi, j'aime bien. Et coucou Corentin, non, s'il te plaît, continue. Malheureusement, je suis obligé de quitter. Il faut que je me fasse à manger. Et visiblement, j'ai des amis qui veulent me voir ce soir. Donc, je suis obligé de couper le stream maintenant. Je suis désolé, Corentin, mais sache que je restream. Alors, on ne sera pas sur du Zelda. Ce sera du coup dimanche, on sera sur du Sims. Mais sache que tous les vendredis, je suis sur Zelda à partir de 16h45. Voilà. Du coup, comme je vous disais, je vous envoie chez la copine Sissourine. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le raid, ça lui fera sûrement super plaisir. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour cet après-midi qu'on a passé tous ensemble. On se retrouve, du coup, comme je vous disais, à partir de 19h30 dimanche pour du gameplay exceptionnellement sur le nouveau pack d'extension. Ça fera, ça, à mon avis, on va beaucoup rigoler. Enfin, vous allez beaucoup rire, moi, je vais m'énerver. Mais donc, voilà, en tout cas, passez une excellente fin de soirée. Reposez-vous bien et Shoko, je t'envoie un petit message d'ici une quinzaine de minutes, le temps que je le passe mon coup de fil. Voilà, donc passez une excellente fin de soirée, reposez-vous bien, passez un beau week-end et je vous dis à dimanche. Bye tout le monde.